Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 1. David apprend la mort de Saül et fait exécuter le meurtrier. Il advint que ce combat eut lieu le même jour où David, vainqueur des Amalécites, était retourné à Sékhéla. Il y avait 2 jours que David se trouvait dans cette ville quand survient au troisième, échappé au combat contre les fils philistins, l'homme qui avait tué Saül. Il avait les vêtements en lambeaux et la tête couverte de cendres. Après s'être prosterné devant David, comme celui-ci s'informait d'où il venait dans cet état, il répondit du combat livré par les Israélites. Il en raconta l'issue malheureuse, comment des dizaines de milliers d'Hébreux avaient péri, comment leur roi Saül lui-même était tombé avec ses enfants. S'il était ainsi renseigné, c'est, disait-il, qu'il avait assisté en personne à la déroute des Hébreux et s'était trouvé aux côtés du roi fugitif. Il avouait avoir lui-même tué Saül sur les instances de celui-ci, au moment où il allait être pris par les ennemis, car Saül s'était jeté d'abord sur son glaive, mais l'excès de ses blessures lui avait enlevé la force de s'achever. Pour preuve de son rire, l'homme montrait les bracelets d'or et la couronne de roi dont il avait dépouillé le cadavre de Saül pour les apporter à David. Celui-ci, ne pouvant plus douter à la vue de ces témoignages manifestes de la mort de Saül, déchire ses vêtements et passe toute la journée à gémir et à se lamenter avec ses compagnons. Son chagrin s'avivait encore à la pensée du fils de Saül, de Jonathan, son plus fidèle ami de naguère et à qui il était redevable de la vie. Et telle fut la grandeur d'âme et la générosité de David à l'égard de Saül, que non seulement sa mort l'affecta péniblement, bien qu'il eût maintes fois risqué de périr sous ses embûches, mais encore qu'il alla jusqu'à châtier son meurtrier. Il déclara en effet à cet homme qu'il s'était accusé lui-même d'avoir tué le roi, et quand il sut qu'il était issu d'un père de race amalécite, il le fit envoyer au supplice. Puis il écrivit des lamentations et des éloges funèbres sur Saül et Jonathan, qui se lisent encore aujourd'hui. David, élu roi par la tribu de Juda. Après avoir rendu cet hommage au roi, David, son deuil fini, demande à Dieu par l'entremise du prophète quelle ville de la tribu dite de Juda il lui assignait comme résidence. Dieu lui ayant répondu qu'il lui donnait Hébron, David quitta Sékhéla pour se rendre dans cette ville, emmenant ses 2 femmes et les hommes d'armes qui l'accompagnaient. Toute la population de la dite tribu accourt à sa rencontre et le proclame roi. Puis informé que les habitants de Jabès en Galatidide avaient donné la sépulture à Saül et à ses fils, David leur envoya des messagers pour les féliciter et approuver leur démarche, promis de les récompenser de leur piété envers les morts, et en même temps leur annonça que la tribu de Juda l'avait choisi pour roi. Abner et Isboézet. Guerre entre les 2 aîniés, combat singulier, défaite d'Abner, il tue Azaël, continuation de la guerre civile. Cependant, le général en chef de Saül, Abner, fils de Ner, homme entreprenant et de noble caractère, à la nouvelle que le roi avait succombé, ainsi que Jonathan et ses 2 autres fils, se rend en hâte dans le camp, se saisit du fils survivant nommé Isboset, passe avec lui de l'autre côté du Jourdain et le proclame roi de toute la nation, à l'exception de la tribu de Juda. Il lui fit une résidence royale de la ville qui s'appelle Manalis, dans la langue du pays, c'est-à-dire en grec parambolé, les retranchements. Abner partit de là avec un corps d'élite dans l'intention de livrer bataille à ceux de la tribu de Juda, car il leur en voulait fort d'avoir choisi David pour roi. David envoya contre lui Joab,
fils de Souri et de Saruva, sœur de David, qui était son général en chef, accompagné de ses frères Abisaï et Azaël, et de tous les hommes d'armes de David, ayant rejoint Abner auprès d'une fontaine sur le territoire de la ville de Gabaon, Joab range son armée en bataille. Abner lui manifeste le désir de savoir lequel d'entre eux possédait les plus vaillants soldats. Ils conviennent que de part et d'autre, 12 hommes choisis en viendront aux mains. Les champions désignés par chacun des deux généraux s'avancent entre les deux armées et, après s'être lancé leurs javelots, tirent leurs épées et s'engagent au corps à corps. Se tenant les uns les autres par la tête, ils se transpercent mutuellement les côtes et les flancs avec leurs épées jusqu'à ce que tous succombent sur un mot d'ordre. Ceci mort, le reste des deux armées en vint aux prises à son tour, et dans le combat acharné qui s'ensuivit, ceux d'Abner eurent le dessous. Joab ne laissa pas de poursuivre dans leur déroute. Lui-même se lança derrière eux, recommandant à ses soldats de les serrer de près et de ne pas interrompre le carnage. Ses frères ne combattirent pas avec moins d'ardeur. Entre tous se distingua le plus jeune, Azaël, si réputé pour son agilité qu'il ne l'emportait pas seulement sur les hommes, mais que, dit-on, il dépassa à la course un cheval qui luttait avec lui. Il s'était attaché à la piste d'Abner et le poursuivait de tout son élan, en droite ligne, sans dévier ni d'un côté ni de l'autre. Abner, se retournant parfois, tentait de l'amadouer pour briser son élan. D'abord, il invitait à cesser sa poursuite pour aller plutôt dépouiller de son armure un des soldats tombés. Puis, n'ayant pas réussi à l'en persuader, il lui conseillait de s'arrêter et d'en rester là, car s'il était obligé de le tuer, lui, Abner, n'oserait plus se présenter devant son frère. Comme Azaël restait sourd à ses exhortations et s'obstinait dans la chasse, Abner, tout en fuyant, lui porta en arrière un coup bien dirigé de sa lance et l'étendit raide mort. Ceux qui couraient avec lui après Abner, arrivés à l'endroit où Azaël gisait étendu, tirent cercle autour du cadavre et cessent de poursuivre les ennemis. Cependant Joab, ainsi que son frère Abisaï, ne s'arrêtent pas devant le corps. Plus acharné encore contre Abner par le chagrin de cette perte, ils le poursuivent avec une vitesse et une ardeur incroyables jusqu'en un lieu qu'on appelle Amata, qu'ils atteignirent au sommet au moment du soleil couchant. Là se trouve, sur le territoire de la tribu de Benjamin, une colline élevée. Joab y monte et découvre les ennemis, et parmi eux, Abner. Celui-ci élève alors la voix et s'écrie qu'il ne faut pas ainsi exciter les compatriotes à s'entre-déchirer sans merci. Azaël, frère de Joab, s'est mis, dit-il, dans son tort. Malgré les exhortations d'Abner à cesser sa poursuite, il ne s'est pas laissé fléchir. Et voilà pourquoi il a été frappé à mort. Joab se rend à ce sentiment et, prenant ses paroles pour une excuse, fait sonner le ralliement et ordonne de cesser la poursuite. Lui-même campe le soir dans cet endroit. Quand Abner, ayant cheminé toute la nuit et repassé le Jourdain, il arrive au retranchement auprès du fils de Saul, Isboézeth. Le lendemain, Joab fit le compte des morts et leur donna à tous la sépulture. Il était tombé du côté d'Abner environ 360 guerriers, du côté de David 19, plus Azaël. Joab et Abisaï emportèrent le corps de ce dernier à Bethléem et ils l'ensevelirent dans le tombeau de ses pères. Puis ils se rendirent chez David à Hébron. De ce moment-là, commença parmi les Hébreux une guerre intestine qui dura longtemps, mais les partisans de David devenaient toujours plus forts et prenait l'avantage dans les combats, tandis que le fils de Saul et ses sujets allaient s'affaiblissant de jour en jour. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 1. Les fils de David,
Abner et ses troupes passent et David. Dans le même temps, il naquit à David 6 fils, d'autant de femmes différentes. L'aîné, qui avait pour mère Achina, reçut le nom d'Amnon, le second né d'Abigaïa, celui de Daniel. Le troisième, né de Machané, fille de Tolomaï, roi de Gézer, s'appela Absalom. Absalomos. Le quatrième fils d'une femme appelée Agitée, il le nomma Adonias. Le cinquième fut Saphastias, fils d'Abitaalé, et le sixième Jétrahamès, fils d'Egla. Cependant, la guerre civile ayant relaté les partisans de chacun des deux rois en venait souvent aux mains et se livrait bataille. Abner, général en chef fils de Saül, était avisé et fort aimé du peuple, sut maintenant tous les gens attachés à Isboézeth, et ils lui demeurèrent assez longtemps fidèles. Mais plus tard, Abner se vit accusé d'avoir eu commerce avec la concubine de Saül, nommée Raïspha, fille de Sibath, et subit à cette occasion les reproches d'Isboézeth. Profondément blessé et outré de ne pas trouver chez le prince la reconnaissance qu'il méritait pour tout le dévouement dont il l'avait entouré. Abner le menaça de transmettre la royauté à David et de faire voir à tous que ce n'était pas l'énergie et l'intelligence d'Isboézeth qu'il avait fait régner au-delà du Jourdain, mais les talents et la fidélité de son général. En effet, il adresse un message à David à Hébron pour l'inviter à lui promettre par serment de l'avoir pour compagnon et ami dès qu'Abner aurait déterminé le peuple à se détourner du fils de Saül et à désigner David comme roi du pays tout entier. David, tout heureux de ses offres, n'hésita pas à conclure l'accord demandé. Comme premier gage de leur convention, il invita Abner à lui rendre sa femme Michal, dont il avait conquis la main au prix de si grands dangers, contre 600 têtes de Philistins apportées à son père. Abner lui envoie en effet Michal, après l'avoir enlevée à Feltias, qui vivait alors avec elle, et cela du consentement même d'Isboézeth, à qui David avait écrit pour faire valoir ses droits à reprendre cette femme. Puis, ayant convoqué les anciens du peuple, les commandants de corps et les chiliarques, Abner leur tint ce langage. Naguère, lorsqu'ils étaient prêts à s'écarter d'Isboézeth pour se joindre à David, il les avait détournés de ce dessein. Mais maintenant, il leur permettait d'aller où ils voudraient, car il avait appris que Dieu, par la voix du prophète Samuel, avait élu David pour roi de tous les Hébreux, et prédit que c'était à lui qu'était réservée la gloire de châtier les Philistins et de les assujettir par ses victoires. À ces paroles, les anciens et les chefs, voyant qu'Abner, dans les sentiments qu'ils avaient eux-mêmes éprouvés naguère, se déclarèrent pour David. Une fois sûr de ceci, Abner convoqua la tribu de Benjamin, qui fournissait tous les gardes du corps d'Isboézeth, et leur tint le même langage. Lorsqu'il vit que loin de résister, il se rangeait à ses vues, il prit avec lui une vingtaine de ses compagnons et se rendit chez David pour recevoir en personne ses serments, car on n'est plus sûr de ce qu'on fait soi-même que ce qu'on laisse faire à autrui, et pour l'informer en outre du langage qu'il avait tenu au chef et à toute la nation. Joab, jaloux d'Abner, le tue dans un guet-apens. David l'accueillit avec affabilité et le traita avec magnificence et somptuosité à sa table pendant plusieurs jours de suite. Abner lui demanda de le laisser partir pour lui amener le peuple, afin que les Hébreux lui remissent le pouvoir en sa présence et devant ses yeux. David avait à peine congédié Abner qu'arriva à Hébron Joab, son général en chef. Il apprit qu'Abner avait été chez le roi et qu'il venait de partir après avoir conclu un accord et traité avec lui au sujet du pouvoir suprême.
Il craignit qu'Albert ne parvînt aux honneurs et au premier rang grâce au concours qu'il prêtait à David pour conquérir le trône, grâce aussi à son entente des affaires et à son habileté à saisir les occasions, tandis que lui-même se verrait abaissé et privé de son commandement. Là-dessus, il s'engage dans une voie perfide et scélérate. D'abord, il essaie de calomnier Abner auprès du roi, engageant celui-ci à se méfier et à ne pas faire attention à ses propositions. Toutes ces démarches, prétendait-il, ne tendaient qu'à affermir l'autorité du fils de Saül. Il n'était venu à David que pour le tromper et le jouer, et il était reparti avec l'espoir d'arriver à ses fins et avec son plan bien échafaudé. Comme il ne réussissait pas à convaincre David ni à soulever sa colère, il essaie un moyen plus audacieux et décide de faire périr Abner. Il envoie des hommes à sa poursuite avec ordre, quand ils l'auront rejoint, de le rappeler au nom de David, comme si le roi avait à lui dire au sujet de leurs affaires certaines choses qu'il ne s'était pas rappelées en sa présence. Quand Abner entendit ce discours des envoyés qu'il avait rejoints en un lieu appelé Bézira, à 20 stades d'Hébron, ne soupçonnant rien du sort qui l'attendait, il revint sur ses pas. Joab s'avance en sa rencontre devant la porte, le reçoit avec le masque de la plus grande bienveillance et de l'amitié, car ceux qui entreprennent une action scélérate savent se donner l'air de parfait homme de bien pour écarter le soupçon, le sépare de ses compagnons comme pour lui parler en secret, et l'entraîne dans un endroit du portail bien retiré, là où, se trouvant seul avec son frère Abisaï, il tire son épée et frappe Abner sous les côtes. Ainsi périt Abner, victime du guet-apens que lui tendit Joab, soi-disant pour venger son frère Azaël, qui, en poursuivant Abner, avait été tué par lui dans la bataille d'Hébron, mais en réalité parce qu'il tremblait que son commandement et la confiance du roi ne lui fussent enlevées, et qu'Abner n'obtint de David le premier rang. On peut juger par cet exemple à quel degré d'audace, en arrivant, les hommes, par amour des richesses et du pouvoir, et pour ne les céder à personne. Pour élever leur fortune, leur passion leur fait commettre tous les crimes. Craignent-ils de la perdre? Il faut bien plus encore pour s'en assurer la conservation. Estimant moins dur de ne pas parvenir à une si haute puissance que de la perdre une fois accoutumée aux avantages qu'elle procure. Et comme c'est à leurs yeux le pire des malheurs, voilà pourquoi tous ceux qui ont à redouter une disgrâce ne redoutent pas devant les machinations et les tentatives les plus criminelles. Mais en voilà assez de ces brèves réflexions. Indignation de David. Hommage funèbre qu'il rend à Abner. David, instruit du meurtre d'Abner, s'affligea dans son âme et, prenant tout le monde à témoin, la main droite étendue vers Dieu, protesta qu'il n'était pas complice de cet assassinat, qu'il n'avait ni ordonné ni souhaité la mort d'Abner. En même temps, il prononça de terribles imprécations contre le meurtrier, souhaitant que ce sang retombât sur toute sa maison et ses complices. Il avait à cœur en effet de ne point paraître avoir violé le pacte et les serments qui le liaient à Abner. Cependant, il enjoignit à tout le peuple de pleurer la victime et de prendre le deuil, de rendre les honneurs coutumiers à sa dépouille en déchirant leurs vêtements et en revêtant les calices, les cilices. C'est dans cette tenue qu'il marchait devant le lit funéraire. Lui-même suivait avec les anciens et les principaux officiers, se frappant la poitrine, témoignant par les larmes l'amitié qu'il avait eue pour le vivant et la douleur que lui causait sa mort, et attestant ainsi qu'il n'était pour rien dans cet attentat. Après avoir enseveli Abner magnifiquement à Hébron et composé son éloge funèbre, David vint lui-même prendre place sur sa tombe et donna le signal des lamentations auxquelles les autres assistants firent écho. Tel fut le trouble où le jeta la mort d'Abner que, malgré les instances de ses compagnons, il ne voulut prendre aucune nourriture et jura de ne rien goûter jusqu'au coucher du soleil. Cette attitude a conquis les bonnes grâces du peuple,
Ceux en effet qui chérissaient Abner louèrent fort la leçon dont David avait honoré le défunt et gardé la foi jurée. En lui décernant tous les hommages qu'on rend à un parent et à un ami, loin de lui faire comme à un ennemi l'injure d'une sépulture misérable et négligée. Le reste des Israélites se félicitait d'avoir affaire à un prince d'un caractère doux et honnête, chacun comptant trouver chez lui la même sollicitude qu'on lui avait vu accorder à la dépouille d'Abner. Par-dessus tout, David était jaloux de son bon nom, renom et prenait en conséquence toutes les précautions pour que nul ne pût le suspecter d'être l'auteur du meurtre d'Abner. À cet effet, il déclara au peuple qu'il était sensiblement affligé de la mort d'un homme si vaillant, mort très funeste aux intérêts des Hébreux, qu'elle privait d'un chef capable de les préserver et de les sauvegarder par ses excellents conseils et par son bras vigoureux dans les combats. Mais Dieu, dit-il, qui gouverne toutes choses, ne laissera pas sa mort impunie. Vous savez que je ne puis rien faire contre Joab et Abisaï, les fils de Saroui, qui sont plus puissants que moi, mais la divinité leur infligera le juste châtiment de leurs crimes. Telle fut la fin d'Abner. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 2. Assassinat d'Isbosheth, indignation de David, il châtie les meurtriers. En apprenant la fin d'Abner, Isbosheth, fils de Saül, ne fut pas médiocrement frappé. Privé d'un homme de son sang et qui lui avait assuré le trône, il s'abandonna à une vive émotion et conçut de cette mort un profond chagrin. Lui-même ne survécut pas longtemps à son général, il périt victime d'un complot tramé par les fils de Yérémon, dont l'un s'appelait Banaota et l'autre Thanos. Ceux-ci, de race benjamite et du premier rang, s'étaient dit que, s'il tuait Isbosheth, il recevrait de grands présents de David, et que leur acte leur vaudrait de sa part un commandement en quelque ou quelque autre marque de confiance. Ils vont donc surprendre Isbosheth couché seul, comme s'il prenait bon repos de midi. Il n'y avait point de garde auprès de lui. La portière elle-même, au lieu de veiller, s'était laissée gagner par le sommeil. Ainsi, par la fatigue de son labeur et par la chaleur du jour, ils pénétrèrent ainsi dans la chambre où le fils de Saül se trouvait endormi et le tut. Puis, lui ayant tranché la tête, ils elminent toute la nuit et tout le jour, pressés de fuir loin de leur victime pour se rendre chez celui qui accueillera leur service et leur procurera toute sécurité. Ils arrivent ainsi à Hébron, montrent la tête d'Isbosheth à David et se présentent à lui comme des amis qui l'ont débarrassé de son rival et du compétiteur de son trône. Mais lui, loin d'applaudir leur acte comme il l'espérait, s'écria « Scélérat que vous êtes et qu'un prompt châtiment attend. Ne savez-vous pas comment j'ai traité le meurtrier de Saül qui m'avait apporté sa couronne d'or ?» Bien qu'il eût tué ce roi sur sa propre prière, alors qu'il ne tomba point vivant aux mains de ses ennemis? Alors, avez-vous cru que j'avais changé de naturel et que je n'étais plus le même, que je souriais à des malfaiteurs et appellerais service votre régicide, vous qui avez assassiné dans son lit un homme de bien, qui n'a jamais fait de mal à personne et qui vous comble de bonté et d'honneur? C'est pourquoi vous subirez un châtiment qui sera à la fois une expiation envers votre victime et une préparation envers moi pour avoir cru, en la tuant, que sa mort me serait agréable, car vous ne pouviez pas outrager ma gloire plus vivement que par une pareille supposition. » Ayant ainsi parlé, il leur infligea tous les supplices et les fit mourir, puis il ensevelit la tête d'Isbosheth en grand honneur dans le tombeau d'Abner. Toutes les tribus reconnaissent David pour roi. Après ce dénouement,
Les premiers du peuple des Hébreux vinrent tous auprès de David à Hébron, Chiliac et Chef, et se donnèrent à lui, en rappelant la bienveillance qu'il lui avait témoignée du vivant même de Saül, et les honneurs qu'il n'avait cessé de lui rendre du temps où David était Chiliac. Ils représentaient que Dieu, par la voix du prophète Samuel, l'avait choisi pour régner ainsi que ses fils et lui avait accordé de sauver le pays des Hébreux en abattant des Philistins. David les loue de leur empressement, les invite à y persévérer, ajoutant qu'ils n'auront pas à s'en repartir. Puis, après des festins et des marques d'amitié, il les charge de lui amener le peuple entier. Il arriva de la tribu de Juda environ 6 800 guerriers armés de boucliers longs et de hallebardes. C'étaient ceux qui étaient restés fidèles au fils de Saül, car le reste de la tribu de Juda avait choisi David pour roi. La tribu de Siméon fournit 7 100 guerriers, celle de Lévi 4 100, sous le commandement de Jodam. Avec eux se trouvait le grand prêtre Sadoc, ainsi que 22 chefs, ses parents. La tribu de Benjamin fournit 4 000 guerriers. Le reste de la tribu se réservait, attendant encore quelques membres de la famille de Saül qui pût régner. De la tribu d'Éphraïm vinrent 20 800 des plus puissants et des plus robustes, de la demi-tribu de Manassé 8 000 de même valeur, et de la tribu d'Issachar 220 et 20 000 guerriers, de la tribu de Zabulon 50 000 guerriers d'élite. Cette tribu fut la seule qui vint se joindre tout entière à David. Tout cela avait le même armement que ceux de la tribu de Juda. La tribu de Nephtali donna 1 000 d'hommes, d'élites et de chefs, ayant pour armes le bouclier long et le javelot. Ils étaient suivis de leur tribu, dont la multitude était innombrable. La tribu de Dan fournit une élite de 27 600 hommes, la tribu d'Azer 40 000, et les deux tribus situées de l'autre côté du Jourdain et le reste de celle de Manassé, 120 000 hommes armés de boucliers longs et de javelots, de casques et de glaives. D'ailleurs, les autres tribus aussi faisaient usage de titi-glaives. Tout ce peuple vint en foule à Hébron auprès de David avec de grandes provisions de pain et de vin et toutes sortes de vivres, et acclama tout d'une voix la royauté de David. Après 3 jours passés par le peuple en réjouissance et en festin à Hébron, David partit avec tout le monde et s'en vint à Jérusalem. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 3, Siège de Jérusalem. Les Jébuséens, qui habitaient la ville et qui étaient de race cananéenne, lui fermèrent les portes et firent monter les aveugles, les boiteux et tous les estropiés sur les remparts pour allier le roi, disant que les infirmes suffiraient à l'empêcher d'y pénétrer, tant ils avaient d'orgueilleuse confiance dans la solidité de leurs remparts. David, irrité, commence d'assiéger Jérusalem. Il y déploie tous ses efforts et toute son ardeur, comptant que cette ville emportée d'assaut ferait éclater sa puissance et frapperait de terreur tous ceux qui seraient tentés de suivre les dispositions des Jébuséens à son égard. Bientôt il s'empara de forces vives de la ville basse, mais la citadelle tenait encore. Le roi s'avise alors de stimuler l'ardeur de ses soldats par l'appât d'honneur et de récompense. Il promet de donner le commandement général de ses troupes à celui qui réussirait à franchir les ravins qu'il abordait, monterait jusqu'à la citadelle et s'en rendrait maître. Tous disputent la gloire d'y monter et ne reculent devant aucun effort pour un pareil honneur. Ce fut Joab, fils de Sarouya, qui devança tous les autres et, parvenu sur la crête, cria vers le roi en lui réclamant le commandement promis. Prise de Jérusalem, alliance avec Hiram, origine du nom de Jérusalem. Quand il eut délogé les Jébuséens de la citadelle, il rebâtit lui-même Jérusalem, l'appela ville de David
et s'y établit de toute la durée de son règne. Le temps qu'il avait gouverné la seule tribu de Juda à Hébron avait été de 7 ans et 6 mois. Après avoir fait de Jérusalem sa capitale, il jouit d'une fortune toujours de plus en plus brillante par la grâce de Dieu qui veillait à ses progrès et à son accroissement. Même Hiram, le roi des Tyriens, lui envoya une ambassade pour conclure avec lui un pacte d'amitié et d'alliance. Il lui envoya aussi en présent du bois de cèdre ainsi que des artisans, charpentiers et marceaux, pour lui édifier un palais à Jérusalem. David occupa aussi la ville haute et la relia à la citadelle de manière à n'en faire qu'un corps. Il entoura d'une enceinte et préposa Joab à la surveillance des murailles. Le premier donc, David, après avoir chassé les jebdistreurs de Jérusalem, appela la ville de son propre nom, car sous Abraham, notre ancêtre, elle s'appelait Solima. Dans la suite, certains disent qu'Omer, lui aussi, la nomma Solima. Il appela en effet le sanctuaire du mot hébreu Solima, qui veut dire sécurité. Le temps qui s'écoula depuis l'expédition du général Josué contre les Cananéens et la guerre où il les vainquit et partagea leur pays aux Hébreux, sans que les Israélites aient jamais pu déloger les Cananéens de Jérusalem, jusqu'à ce que David les en chassa par un siège, fut en tout de 515 ans. Famille de David. Ici je ferai mention d'Orona, un homme riche d'entre les Jébuséens, qui fut épargné par le siège de Jérusalem par David, à cause de sa bienveillance envers les Hébreux, et aussi de certains services qu'il s'était empressé de rendre au roi lui-même, et que j'aurai tout à l'heure une meilleure occasion de signaler. David épousa encore d'autres femmes, outre celles qu'il avait déjà, et prit des concubines. Il engendra 11 fils, qu'il appela Amnous, Emnous, Ebam, Nathan, Salomon, Yébar, Éliès, Phalna, Enaphès, Yénaé, Éliphalé, ainsi qu'une fille appelée Tamar. 9 de ses fils étaient nés de femmes de bonne naissance, et les 2 dernières de concubines. Tamara avait le même nom, la même mère qu'Absalom. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 4. Victoire de David sur les Philistins. Quand les Philistins surent que David avait été établi roi par les Hébreux, ils marchèrent contre lui vers Jérusalem. Ils occupèrent la vallée dite des Titans, lieu peu éloigné de la ville, et y établirent leur camp. Le roi des Juifs, qui ne se permettait de rien, n'entreprendre sans le secours de la prophétie, sans recevoir l'ordre de Dieu, et sans le prendre pour garant de l'avenir, ordonna au grand prêtre de lui indiquer à l'avance la volonté de Dieu et quelle serait l'issue du combat. Le grand prêtre lui prédit victoire et succès. Alors il fit sortir ses troupes contre les Philistins. La mêlée engagée, il tomba lui-même à l'improviste sur le derrière des ennemis, tailla les uns en pièces et mit les autres en fuite. Qu'on n'aille pas s'imaginer que les Philistins n'avaient amené qu'une petite armée contre les Hébreux. À voir leur défaite si prompte, à constater qu'ils n'accomplirent aucun acte de vaillance, aucun exploit mémorable, qu'on n'aille pas conclure à leur nonchalance et à leur lâcheté. Qu'on sache au contraire que toute la Syrie et la Phénicie, et encore beaucoup d'autres peuplades guerrières, firent campagne avec eux et prirent part à cette guerre. C'est même la seule raison qui leur avait permis, après tant de défaites et tant de milliers d'hommes anéantis, de marcher encore une fois contre les Hébreux avec des forces supérieures. Bien plus, quoique battus dans les rencontres que je viens de dire, ils marchèrent encore une fois contre David avec une armée 3 fois plus forte
et revinrent camper dans le même endroit. De nouveau, le roi des Israélites interroge Dieu sur l'issue de la bataille. Le grand prêtre l'avertit de garder son armée réunie dans la forêt, dite Séjour des pleurs, non loin du camp des ennemis, de ne pas bouger et de ne pas commencer le combat avant de voir la forêt s'agiter sans aucun souffle de vent. Quand la forêt s'agita en effet et qu'arriva le moment prédit par Dieu, sans tarder, David alla au-delà d'une victoire qu'il n'avait qu'à cueillir. En effet, les bataillons des ennemis ne purent tenir contre lui. Sitôt le premier choc, David les mit en fuite et les poursuivit en les taillant en pièces. Il les relança jusqu'à la ville de Gazara, qui est à la limite de leur pays, puis revint piller leur camp, où il trouva beaucoup de richesses et détruisit aussi leur dieu. Il fait revenir l'arche, mort d'Ouza, séjour de l'arche chez Obed-Edoun, entrée solennelle de l'arche à Jérusalem. Après l'issue heureuse de ce nouveau combat, David décida, en ayant délibéré avec les anciens, les chefs de l'armée et les chiliarques, de mander auprès de lui de toutes les parties du territoire tous les Israélites dans la fleur de l'âge, puis d'envoyer les prêtres et les lévites à Kiriath-Yearim pour ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Une fois installée là, on célébrerait le culte autour d'elle par des sacrifices et tous les autres hommages qui plaisent à la divinité. Si en effet on en avait usé ainsi dès le règne de Saïti, il ne leur serait arrivé aucun malheur. Tout le peuple s'étant donc réuni ainsi qu'on l'avait décidé, le roi se rend près de l'arche. Les prêtres l'ayant transporté de la maison d'Aminadab et déposé sur un chariot neuf, permirent à ses frères et à ses fils de la traîner en se joignant aux bœufs. Le roi marchait devant, suivi de tout le peuple récitant des hymnes à Dieu, chantant tous les airs du pays au son varié des lyres, des danses et des harpes, ainsi que des trompettes et des cymbales. Ils escortèrent ainsi l'arche à Jérusalem. Ils arrivèrent en un certain endroit appelé l'ère de Chidon. Là périt Ozas, victime du courroux de Dieu. En effet, les bœufs, avant ayant fait pencher le char, il porta la main sur l'arche pour la retenir, et Dieu le frappa parce qu'il avait touché l'arche sans être prêtre. Le roi et le peuple furent très attristés par la mort d'Ozas. L'endroit où il succomba s'appelle encore aujourd'hui Brèche d'Ozas. David prit peur, songeant qu'il risquait de s'attirer le même sort qu'Ozas en recevant l'arche chez lui, dans la ville, puisque cet homme, rien que pour l'avoir étendu la main vers elle, avait péri en cette sorte. Il ne la fait donc pas entrer chez lui dans la ville, mais la détourne dans le champ d'un homme nommé Ubedam, de race lévitique, et dépose l'arche chez lui. Elle y resta 3 mois entiers, pendant lesquels elle fit prospérer la maison d'Obedam et le combla de toutes sortes de biens. Quand le roi apprit tout ce bonheur arrivé à Obedam, comment, de pauvre et humble qu'il était auparavant, il était tout d'un coup devenu fortuné et provoquait l'envie de tous ceux qui voyaient sa maison et s'en informaient, il s'assura qu'il ne lui arrivait aucun mal et fit amener l'arche dans sa demeure. Les prêtres la transportèrent, précédés de 7 chœurs équipés par le roi, lui-même jouait de la cithare et frappait le sol de ses pieds, si bien que sa femme Michal, fille du premier roi Saül, l'ayant vu dans cette attitude, se moqua de lui. On introduit l'arche, on la déposa sous la tente que David avait dressée pour elle, puis il offrit des sacrifices somptueux, immola des victimes de paix et donna à manger à tout le peuple, distribuant aux femmes et aux hommes et aux enfants miches de pain, brioches, beignets au miel et tranches de viande. Après ce repas offert au peuple,
il le congédie et rentre lui-même dans sa demeure. Michal blâme David. Michal, sa femme, fille de Saül, s'étant présentée devant lui, rit toutes sortes de vœux pour son bonheur et pria Dieu de lui accorder tout ce qu'il peut procurer quand il est propice. Mais elle le blâma d'avoir commis, lui, un si grand roi, l'inconvenance de danser et de se découvrir en dansant, en présence d'esclaves et de servantes. Mais David répondit qu'il ne rougissait pas d'avoir agi ainsi pour l'amour de Dieu, qu'il avait préféré au père de Michal et à tous les autres, et qu'il jouerait et danserait souvent ainsi sans se préoccuper le moins du monde de l'opinion des servantes et de Michal elle-même. Cette Michal n'avait pas eu d'enfant de son union avec David, mais remariée plus tard à l'homme à qui son père Saül l'avait donné, au temps dont nous parlons, David la lui avait enlevée, elle en a eu 5 enfants, comme nous le dirons en son lieu. David veut construire un temple. Le prophète Nathan lui annonce que la tâche en est réservée à Salomon. Le roi, voyant ses affaires s'améliorer de jour en jour grâce à la volonté de Dieu, s'avisa qu'il faisait mal de demeurer dans de hauts palais de cèdre, aménagés de façon magnifique, tandis qu'il laissait l'arche à l'abri sous une tente. Il résolut donc de bâtir un temple à Dieu, comme Moïse l'avait prédit. Il s'entretint de ce dessein avec le prophète Nathan, et comme celui-ci l'encourageait dans son projet, disant que Dieu l'assistait en toutes choses, il ne montra que plus d'ardeur pour cette entreprise. Mais Dieu apparut cette nuit-là à Nathan, et lui commanda de dire à David que, tout en louant son projet et son vœu, puisque nul auparavant n'avait eu encore l'idée de lui bâtir un temple, David, tandis que David avait conçu ce dessein, néanmoins, il ne permettait pas à un homme qui avait soutenu tant de guerres et s'était souillé du sang de tant d'ennemis de lui ériger un temple. Cependant, après sa mort, qui ne viendrait qu'au terme d'une longue vie, le temple serait construit par son fils, son successeur au trône, dont le nom serait Salomon. Il promettait d'assister celui-ci avec toute la sollicitude d'un père pour son fils. Il conserverait et transmettrait la royauté aux enfants de ses enfants, mais il ne le punirait lui-même s'il venait à pécher par la maladie et la stérilité du sol. David, instruit de ces choses par le prophète, et heureux de savoir de science certaine que le pouvoir passerait à ses descendants et que sa maison serait illustre et célèbre, s'approcha de l'arche et, prosterné sur sa face, se mit à adorer et à remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il lui avait déjà prodigués en l'élevant de la condition humble d'un berger à un tel degré de puissance et de gloire, et pour tous ceux qu'il avait promis à ses descendants, et pour le soin qu'il avait pris des Hébreux et de leur liberté. Après avoir dit ces paroles et chanté des cantiques, il se retira. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 5, Victoire de David. À quelque temps de là, David décida qu'il fallait attaquer les Philistins sans laisser s'introduire la mollesse et l'oisiveté dans l'État, afin, comme la divinité le lui avait prédit, de laisser ses ennemis abattus et une royauté paisible à ses descendants. Il convoqua donc à nouveau l'armée, lui commanda de se tenir prête et équipée pour la guerre, et quand tout lui parut à point, il partit avec elle de Jérusalem et se dirigea vers les Philistins. Il les vainquit en bataille rangée, leur enleva une grande partie de leur territoire et la réunit à celui des Hébreux. Puis il porta la guerre chez les Moabites, cette fois encore victorieux. Il extermina les 2/3 de leur armée et il fit le reste prisonnier. Après leur avoir imposé un tribut annuel, il marcha contre Adrasaros, fils d'Araos, roi de la Sophène. Le combat s'engagea près du fleuve Euphrate,
David lui tua environ 20 000 fantassins et 7 000 cavaliers. Il lui prit aussi 1 000 chars, dont il détruisit la plupart, et commanda qu'on lui en gardât 100 seulement. Défaite d'Adad, témoignage de Nicolas de Damas. Le roi de Damas et des Syriens, Adad, informé que David faisait la guerre à Adrazar, dont il était l'ami, vint à son secours avec des forces puissantes, mais il dut se retirer, contrairement à son attente, après un engagement livré près du fleuve Euphrate, car il fut défait dans le combat et perdit une grande partie de ses soldats. Les Hébreux lui tuèrent environ 20 000 hommes. Tout le reste prit la fuite. Il est en effet aussi mention de ce roi chez Nicolas, qui s'exprime en ces termes au quatrième livre de ses histoires. Longtemps après ces événements, un indigène du nom d'Adad, devenu très puissant, régna sur Damas et sur toute la Syrie, sauf la Phénicie. Ayant fait la guerre contre David, roi de la Judée, il se mesura avec lui dans plusieurs combats, dont le dernier sur les bords de l'Euphrate, où il fut vaincu, et il apparut comme le plus excellent des rois pour la force et le courage. Outre ces détails, il raconte encore au sujet des descendants d'Adad comment, après la mort de ce roi, ils se transmirent l'un à l'autre leur trône et leur nom. Celui-ci mourut, dit-il, ses descendants régnèrent pendant 10 générations, chacun recevant de son père le nom avec le pouvoir, comme les Ptolémées en Égypte. Le troisième, qui fut le plus puissant de tous, voulant venger la défaite de son grand-père, marcha contre les Juifs et ravagea la région appelée aujourd'hui Samaritide. Il ne s'est pas écarté de la vérité. C'est en effet cet Adad qui fit une expédition contre Samarie sous Akab, roi des Israélites, dont nous parlerons plus tard en son lieu. Conquête de la Syrie et des villes appartements à Adrazaros. Lorsque le roi d'Amathée apprit la mésaventure d'Adrazar et l'anéantissement des forces de celui-ci, il prit peur pour lui-même et songeant à s'attacher David par un pacte d'amitié et de fidélité avant qu'il ne vienne l'attaquer, il lui envoya son fils Adoram, chargé de le remercier d'avoir combattu Adrazar son ennemi et de conclure avec lui un traité d'alliance et d'amitié. Il lui envoya aussi des présents, des vases d'un travail ancien en or, en argent et en cuivre. David consentit à faire alliance avec Taïnos, tel était le nom du roi d'Amathée, et accepta ses présents. Puis il congédia son fils avec les honneurs qui convenaient à l'un et à l'autre. Quant au trésor envoyé par ce roi, et lotit le reste de l'or et de l'argent que David avait enlevé aux villes et aux peuples subjugués, il les emporta et les consacra à Dieu. D'ailleurs, ce ne fut pas seulement quand il combattait et commandait en personne que Dieu lui procura victoire et succès. David ayant envoyé contre l'Idumée une armée commandée par Abécéos, frère du général en chef Joab, Dieu, par la main de ce lieutenant, lui donna la victoire sur les Iduméens, dont Abécéos tua 18 000 dans la bataille. Le roi répartit des garnisons à travers toute l'Idumée et en tira des tribus établies aussi bien sur le sol que sur chaque tête d'habitant. Il était naturellement juste et rendait des décisions conformes à la vérité. Il avait Joab pour chef suprême de l'armée, pour garde des registres Josaphat, fils d'Achille. Il désigna comme grand prêtre avec Abiathar, Sadoc, de la maison de Phinès, dont il était l'ami particulier, et il établit Zizan comme secrétaire. Enfin, il confia à Banéas, fils de Joad, le commandement des gardes du corps. Les plus âgés de ses fils étaient attachés à sa personne et à sa garde. David recueille Mephibosheth, fils de Jonathan. Cependant, il n'oublia pas ses engagements et ses serments envers Jonathan, fils de Saül, ni l'amitié et le dévouement que ce dernier lui avait témoigné, car à toutes ses autres vertus,
il joignait celle de garder toujours la mémoire très fidèle de ceux qui lui avaient fait du bien. Aussi prescrivit-il de rechercher s'il survivait quelqu'un de la famille de Jonathan à qui il put rendre les bienfaits dont il lui était redevable. On lui amena un homme affranchi par Saül, capable de le renseigner, et il lui demanda s'il pouvait lui désigner quelques survivants de la parenté de Jonathan, aptes à recevoir la récompense des bienfaits qu'il devait à celui-ci. Cet homme lui dit qu'il restait de Jonathan un fils nommé Mephiboth, qui était boiteux, car sa nourrice à la nouvelle que le père de l'enfant et son grand-père avaient péri dans la bataille, l'avait emporté en s'enfuyant et l'avait laissé tomber de ses épaules. Dans sa chute, l'enfant s'était extropié. David s'informa où il se trouvait et citait qui il était élevé. Puis il envoya un messager auprès de Machir dans la ville de Labata. C'était lui qui avait recueilli le fils de Jonathan et fit amener l'enfant. Mephiboth, arrivé auprès du roi, tomba sur sa face et se prosterna. David l'exhorta à se rassurer et à compter sur un traitement favorable. Il lui donna la fortune paternelle et tous les biens qu'avait acquis son grand-père Saül et l'invita à partager ses repas et à être son commensal sans manquer un jour de prendre place à table. L'enfant se jette à genoux pour le remercier de ses paroles et de ses libéralités. Alors le roi appela Siba, lui dit qu'il avait fait don à l'enfant de la fortune de son père et de tous les biens de Saül, et lui commanda de faire valoir les terres en question, de prendre soin de tout et d'apporter le revenu à Jérusalem. Il devait, en outre, amener l'enfant chaque jour à sa table. Quant à Siba lui-même, à ses fils, au nombre de 15, et à ses serviteurs, au nombre de 20, il les donne au jeune homme Mephiboth. Après avoir entendu ces paroles, Siba s'inclina, promit de s'y conformer et se retira. Le fils de Jonathan habita désormais à Jérusalem, admis à la table du roi et recevant de lui tous les soins d'un père. Il eut lui-même un enfant qu'il appela Micha. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 6. Ambassade de David à Hanon, roi des Ammonites. Insulte faite aux envoyés de David. Guerre avec les Ammonites. C'est ainsi que les survivants de la famille de Saül et de Jonathan furent honorés par David. Sur ces entrefaites, le roi des Ammonites, Naas, vint à mourir. C'était un ami de David. La royauté étant échue à son fils Hanon, David envoya à ce prince un message de condoléances, l'exhortant à supporter avec résignation son deuil et à compter sur la persistance de l'amitié qu'il avait unie à son père. Les principaux Ammonites reçurent ce message de mauvaise grâce, tout à l'encontre du procédé de David. Ils excitèrent leur roi contre lui, prétendant que David avait envoyé des gens pour espionner le pays et reconnaître leurs forces, sous prétexte de compliments. Il adjurait de prendre garde et de ne pas prêter oreille aux paroles de David, de peur d'être dupe et de se voir entraîné dans une catastrophe irrémédiable. Hanon, roi des Ammonites, ajoutant plus de créance aux paroles de ses grands qu'elles ne méritaient en réalité, insulta gravement les envoyés de David. Il leur fit tondre un côté de la barbe et couper la moitié de leurs vêtements et les congédia dans cet équipage, sans autre réponse que cet acte outrageant. À ce spectacle, le roi des Israéliens s'indigna et déclara qu'il ne laisserait pas impunis cette offense et cette injure, mais qu'il ferait la guerre aux Ammonites et exigerait de leur roi réparation de l'attentat commis contre les messagers. Les parents du roi et ses capitaines, comprenant qu'ils ont violé les traités et auront à en prendre raison, se préparent à la guerre. Ils envoient 1000 talents à Cyros, roi de Mésopotamien, l'invitant à faire cause commune avec eux, moyennant ce subsiste. De même pour Souba. Ces deux rois disposaient de 20 000 fantassins. Ils engagèrent aussi à leur solde le roi de la contrée appelé Micha,
et un quatrième nommé Istob, qui avaient ensemble 12 000 hommes d'armes. Victoire de Joab et d'Abécéos. Ni cette coalition, ni la puissance des Ammanites n'étonnèrent David. Plein de confiance en Dieu et dans la justice de la guerre motivée par une pareille injure, il envoya contre eux son général en chef, Joab, à qui il avait confié la fleur de son armée. Joab établit son camp en face de Rabbatha, capitale des Ammanites. Les ennemis opérèrent une sortie, non pas en une seule masse, mais en deux corps séparés. Les auxiliaires prirent leur champ de bataille dans la plaine. L'armée des Ammanites se posta devant les portes face aux Hébreux. Assez vite, Joab combine une manœuvre contraire. Il choisit les plus vaillants qu'il oppose à Siros et au roi qui l'accompagnait et confie le reste des troupes à trois frères Abécéos pour contenir les Ammanites. Il lui recommande, s'il voyait des Syriens, de presser trop vivement et prendre le dessus, d'amener sous son corps de troupes à la rescousse. Lui-même en fera autant s'il voit son frère accablé par les Ammanites. Ayant donc encouragé son frère combattant bravement avec toute l'ardeur convenable à des hommes qui redoutent la honte, il le lance contre les Ammanites. Lui-même en vient aux mains avec les Syriens. Après une résistance brève mais énergique de leur part, Joab en tailla en pièces un grand nombre. Il contraignit tous les autres à prendre la fuite. À ce spectacle, les Ammanites, redoutant Abécéos et son armée, n'attendirent pas le choc, mais, suivant l'exemple de leurs alliés, se réfugièrent dans la ville. Ainsi victorieux des ennemis, Joab s'en retourna couvert de gloire à Jérusalem auprès du roi. Reprise des hostilités, victoire de David, siège de Rabbatha. Cette défaite ne suffit pas à persuader les Ammanites de se tenir en repos, ni l'épreuve de la supériorité de leurs adversaires à les calmer. Ils envoient vers Chalamas, roi des Syriens, au-delà de l'Euphrate, pour acheter son alliance. Ce roi avait un général en chef nommé Sabécos, 80 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Quand le roi des Hébreux apprit que les Ammanites avaient ameuté leur chef contre lui de si grandes forces, il ne voulut plus confier à ses généraux le soin de les combattre, mais lui-même en personne, avec toutes ses troupes, traverse le fleuve Jourdain, les atteint et les défait en bataille rangée. Il leur fait périr environ 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers. Le général de Chalamas, Sabec, mourut de ses blessures. Les Mésopotamiens, après cette issue de la rencontre, se rendirent à David et lui envoyèrent des présents. Comme l'hiver approchait, il s'en retourna à Jérusalem, mais dès le commencement du printemps, il envoya son général en chef, Joab, faire la guerre aux Ammanites. Joab les envahit, ravagea tout leur territoire et les enferma dans leur capitale, Rabbatha, dont il entreprit le siège. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 7. David séduit Bersabée, femme d'Uri. Complot contre Uri, siège de Rabbatha, mort d'Uri. Vers ce temps, David commit une grave défaillance malgré son caractère juste, sa piété et son ferme attachement aux lois de ses pères. Un soir, du toit de la demeure royale où il avait coutume de se promener en cette saison, il jeta les yeux autour de lui et aperçut une femme qui se baignait à l'eau froide dans une maison voisine. Elle était d'une beauté admirable et l'emportait sur toutes les femmes. Son nom était Bersabée. Séduit par ses charmes, incapable de surmonter sa passion, il la fait venir et la possède.
La femme devient enceinte. Elle en informe le roi et le conjure d'aviser au moyen de cacher sa faute, car son adultère entraînerait pour elle la peine de mort selon les lois des ancêtres. Alors David fait revenir du siège de Rabbatha l'écuyer de Joab, mari de cette femme nommée Urias. Sitôt arrivé, il interroge sur l'état de l'armée et la marche du siège. Urias répond que tout allait fort bien, sur quoi David fait chercher quelques plats du repas, les lui donne pour son souper, puis l'invite à s'en aller citer sa femme et reposer avec elle. Cependant, Urias n'en fit rien et resta couché près du roi avec les autres écuyers. David le suit et lui demanda pourquoi il n'allait pas chez lui, ni auprès de sa femme après une si longue séparation, ainsi qu'ont coutume de le faire tous les maris lorsqu'ils reviennent de voyage. Urias répond que lorsque ses compagnons d'armes et le général lui-même couchaient à terre dans le campement en territoire ennemi, il ne convenait pas que lui-même allât se reposer et se réjouir avec sa femme. Après qu'il eut ainsi parlé, David lui prescrivit de demeurer encore au palais tout le jour. Il le renverrait le lendemain vers le général en chef. Le roi l'invite à souper et le fait boire jusqu'à l'ébriété, en lui portant exprès de nombreuses rasades. Il n'en persévéra pas moins à rester couché devant la porte du roi, sans montrer aucune envie d'approcher sa femme. Alors, très dépité, le roi écrivait à Joab de châtier Urias, qui lui dénonçait comme un criminel, et il lui indiquait la façon de se défaire de lui, sans qu'on pût soupçonner d'où l'ordre était venu. Il fallait envoyer Urias au poste le plus menacé par les ennemis et l'exposer au plus grand danger en l'y laissant seul. Tous ses compagnons auraient à l'abandonner dès le commencement du combat. Cette lettre écrite et signée de son propre sceau, David la donna à Urias pour la porter à Joab. Celui-ci n'eut pas plutôt reçu la lettre et connu la volonté du roi qu'il choisit l'endroit où il savait que les ennemis s'étaient le plus acharnés contre lui-même et y poste Urias avec quelques-uns des plus braves de l'armée. Il promet de se porter à son secours avec toutes ses forces s'ils parviennent à faire quelques brèches dans la muraille et à pénétrer dans la ville. Un si vaillant soldat, si estimé du roi et de tous ceux de sa tribu, pour son courage, ne pouvait que se réjouir d'affronter une si rude tâche, bien loin de s'en indigner. En effet, Urias s'empresse d'accepter cette mission, et Joab avertit en secret ses compagnons d'armes de le laisser seul lorsqu'il verrait les ennemis chargés. Quand donc les Hébreux assaillirent la ville, les Ammonites, dans la crainte que leurs ennemis ne se hâtassent de faire escalade, à l'endroit même où était posté Urias, placèrent en avant les plus vaillants d'entre eux, et, ayant ouvert brusquement la porte, ils sortirent et chargèrent leurs adversaires impétueusement, en courant à toute leur force. À cette vue, tous les compagnons d'Urias firent volte-face comme Joab le leur avait prescrit. Seul Urias, rougissant de s'enfuir et de déserter son poste de combat, attendit les ennemis et, soutenant le choc, en tua un bon nombre. Enfin environné de toutes parts, il périt percé de coups. Quelques-uns de ses compagnons tombèrent avec lui. David en est informé, ses instructions à Joab, il épouse Bersabée. Là-dessus, Joab dépêcha des messagers au roi en les chargeant de dire qu'il avait fait effort pour s'emparer de la ville par un coup de plein, qu'ayant assailli les remparts et perdu beaucoup de monde, il avait été contraint de se retirer. Il devait ajouter, s'il voyait le roi courroucé de ses nouvelles, qu'Urias avait péri dans le combat. Quand les envoyés lui tinrent ce langage, le roi le prit fort mal et déclara qu'on avait eu tort de tenter l'assaut des remparts. Mieux eût valu essayer de prendre la ville au moyen de mines et de machines. N'avait-on pas l'exemple d'Abimélec, fils de Gédéon, qui, lorsqu'il voulut s'emparer de vive force de la tour de Thèbes, tomba frappé d'une pierre par une vieille femme, et malgré toute sa bravure échoua devant les difficultés de l'entreprise et mourut d'une mort ignominieuse.
Un tel souvenir aurait dû les dissuader d'attaquer les mitrailles ennemies. Rien de plus utile en effet que de garder la mémoire de tous les procédés de guerre, heureux ou non, qui ont été employés dans des périls analogues afin d'imiter les uns et de s'abstenir des autres. Quand l'envoyé voit le roi irrité, il lui annonce encore la mort d'Urias. Alors sa colère s'apaise et il demande à Joab qu'il n'y a là qu'un accident humain, qu'il en va ainsi à la guerre, qu'il est bien naturel de voir l'emporter tantôt l'un de ses adversaires, tantôt l'autre. À l'avenir, cependant, il faudra conduire prudemment le siège afin de n'y plus subir d'échecs, investir la ville de terrasses et de machines, et quand on en sera maître, la détruire de fond en comble et faire périr tous ses habitants. Le messager, porteur de ces instructions du roi, retourna auprès de Joab. Quant à la femme d'Urias, Bersabée, informée de la mort de son mari, elle le pleura plusieurs jours. Mais dès qu'elle eut quitté le deuil et fini de pleurer Urias, David la prit pour femme et il en acquit un enfant mâle. Apologie et remontrance de Nathan, repentir de David. Dieu ne vit pas ce mariage d'un œil favorable. Courroucé contre David, il apparut en songe au prophète Nathan et lui dénonça la conduite du roi. Nathan, un homme courtois et avisé, considérant que les rois, quand ils sont en proie à la colère, s'y abandonnent sans nul souci de la justice, résolut de garder d'abord le silence sur les menaces divines, mais vint tenir au roi un autre sage discours alléguant une prétendue affaire sur quoi il priait de lui dire clairement son sentiment. Deux hommes, dit-il, habitaient la même ville. L'un était riche et possédait de nombreux troupeaux de bêtes de somme, de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une seule brebis. Il la nourrissait avec ses enfants, partageant sa substance avec elle et lui témoignant la même tendresse qu'un père à sa propre fille. Or, un hôte de ce riche l'étant venu voir, celui-ci ne voulut sacrifier aucune bête de ses propres troupeaux pour en faire un festin à son ami, mais il envoya dérober la brebis du pauvre, l'accommoda et en régala son hôte. Ce récit chagrina fort le roi. Il déclara devant Nathan que l'homme qui avait osé agir ainsi était un méchant et méritait de payer 4 fois la brebis et en outre d'être puni de mort. Alors Nathan lui dit, « C'est toi-même qui mérites ce châtiment et tu as prononcé ton arrêt pour le grand et terrible forfait que tu as commis. » Puis il lui révéla sans autre embâge combien Dieu était irrité contre lui. Dieu l'avait fait roi de toute la puissance des Hébreux, maître de tant de grandes nations d'alentour. Il avait auparavant préservé les embûches de Saul. Il lui avait donné des femmes à épouser en juste et légitime noces. Et voilà cependant que David l'avait méprisé et outragé en prenant la femme d'un autre et en livrant son mari aux ennemis pour le faire périr. C'est pourquoi Dieu lui fera expier ce forfait. Ses femmes seront violentées par un de ses fils qui complotera contre lui-même. Pour une faute commise en cachette, il subira un châtiment public. De plus, ajoutait-il, la mort frappera bientôt le fils que tu as eu de cette femme. Le roi fut bouleversé et profondément ému de ces paroles. Il avoua en pleurant et en gémissant l'impiété commise. C'était de l'aveu de tous les hommes pieux, un homme pieux, et sa vie avait été sans péché dans l'affaire de la femme, avant l'affaire de la femme d'Urias. Dieu eut pitié de lui, et en lui accordant son pardon, promit de lui conserver la vie et le trône, devant son repentir du passé. Il consentait à ne pas lui tenir rigueur, et Nathan, ayant fait ses prophéties au roi, rentra chez lui. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 7, chapitre 7, suite. Mort du fils de David, son attitude, naissance de Salomon.
Cependant, le fils que David avait eu de la femme d'Urias fut frappé par la divinité d'une grave maladie. Le roi, fort affecté, ne prit aucune nourriture durant 7 jours, malgré l'insistance de ses serviteurs. Vêtu de noir, affaissé sur un cilice, il restait étendu à terre, suppliant Dieu pour le salut de l'enfant dont il chérissait tant la mère. Mais l'enfant était mort le 7e jour. Les serviteurs n'osaient l'annoncer au roi, car ils se disaient qu'à cette nouvelle, ils ne repousseraient que davantage toute nourriture et tout autre soin dans le deuil où le plongerait la mort d'un enfant dont la maladie seule l'avait si fort accablé de chagrin. Cependant, le roi, voyant ses serviteurs bouleversés et dans l'attitude que prennent ceux habituellement qui ont quelque chose à cacher, comprend que son fils n'est plus. Il mande de ses serviteurs et en apprend la vérité. Alors il se lève, se baigne, s'habille de blanc et pénètre dans la tente de Dieu. Puis il commande qu'on lui serve un repas. Cette attitude imprévue provoque une vive surprise chez ses proches et ses serviteurs. Ils s'étonnent de le voir faire, maintenant que l'enfant est mort, tout ce qu'il s'était interdit durant sa maladie. Et après lui avoir demandé au préalable la permission de le questionner, ils le prièrent de leur expliquer sa conduite. David, les traitant d'ignorants, leur répond que, tant que son fils vivait, dans l'espoir de pouvoir le sauver, il avait fait tout ce qu'il fallait pour se rendre Dieu propice. Mais ce fils mort, plus n'était besoin de chagrin stérile. À ces paroles, ils louèrent la sagesse et la raison du roi. Puis David, s'étant approché de sa femme Bersabée, la rendit mère, et il donna à l'enfant mâle qui naquit le nom de Salomon, selon l'ordre du prophète Nathan. David s'empare de Rabbatha et des autres villes des Ammonites. Cependant, Joab faisait beaucoup de mal aux Ammonites par l'investissement de la ville en leur coupant leur aqueduc et tout leur approvisionnement, de sorte qu'ils mouraient de faim et de soif. Ils puisaient de l'eau à un maigre puits et même la rationnaient de peur qu'elle ne vînt à leur manquer complètement s'ils en usaient trop largement. Joab écrit au roi l'état du siège et l'invite à venir prendre la ville afin qu'il recueille l'honneur du triomphe. Le roi, ayant reçu la lettre de Joab, le loue de ses bonnes intentions et de sa fidélité et emmène les troupes qui formaient sa garde personnelle pour le sac de Rabbatha. La ville fut prise d'assaut et livrée aux soldats pour la piller. David lui-même s'adjugea la couronne du roi des Ammonites. Elle était en or, du poids d'un talent et s'ornait au milieu d'une sardoine, pierre d'un grand prix. Désormais, David s'en ceignit toujours sa tête. Il trouva encore une foule d'autres dépouilles magnifiques et précieuses dans la ville. Quant aux hommes, il les fit périr dans les tortures. Il traita de même les autres villes des Ammonites après s'en être emparé de vive force. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 8. Amnon violente sa sœur Tamar. Après le retour du roi à Jérusalem, une catastrophe s'abat sur sa maison, dont voici la cause. Il avait une fille encore vierge, d'une beauté si remarquable qu'elle surpassait les femmes les mieux faites. Elle s'appelait Tamar et avait la même mère qu'Absalom, l'aîné des fils de David, Amnon, épris d'elle, et ne pouvant satisfaire sa passion parce que Tamar était vierge et bien gardée, en conçut une grande langueur. La douleur lui rongeait le corps, il maigrissait, son teint s'altérait, ses souffrances frappent un de ses parents et amis, Jonathan, homme ingénieux et d'un esprit pénétrant. Comme il remarquait chaque matin qu'Amnon n'était pas dans son état ordinaire, il aborde et lui demande la raison. J'imagine, dit-il, que c'est un désir d'amour qui cause ton mal. Amnon lui avoue alors la passion qu'il ressent pour sa sœur consanguine. Alors son ami lui suggère un stratagème pour parvenir à l'objet de ses vœux. Il lui conseille de feindre une maladie, et quand son père viendra le voir, il le priera de lui envoyer sa sœur lui donner des soins.
Cela fait, il ira mieux et ne tarderait pas à être délivré de sa souffrance. Amnon alla donc s'étendre sur son lit et contrefit le malade selon les conseils de Jonathan. Quand son père vint s'informer de son état, il le pria de lui envoyer sa sœur, ce que David commanda aussitôt. Quand elle fut arrivée, Amnon la pria de lui faire des gâteaux qu'elle devait préparer elle-même et qu'il mangerait plus volontiers de ses mains. La jeune fille pétrit la farine sous les yeux de son frère, prépare et fait cuire les gâteaux et les lui offre. Amnon ne voulut d'abord pas y goûter, mais il ordonna à ses serviteurs d'éloigner tous ceux qui se trouvaient devant la chambre, entendant se reposer à l'abri de tout bruit et de tout trouble. Ses ordres exécutés, il fit prier sa sœur de lui apporter son repas au fond de son appartement. La jeune fille obéit. Alors il se saisit d'elle et cherche à la persuader de souffrir ses embrassements. Mais elle s'écrie et lui crie « Ne me violente pas ainsi, ne commets pas cette impiété, mon frère. Ce serait mépriser les lois et te couvrir d'une lourde infamie. Renonce à une passion odieuse et impure où notre maison ne gagnera qu'opprobre et mauvais renom. » Enfin, elle lui conseille de s'ouvrir de son dessein à son père qui pourra l'autoriser. Elle parlait ainsi afin d'échapper pour le moment à la fougue de son appétit. Mais Amnon, loin de l'écouter, tout brillant de désir et harcelé par les aiguillons de sa passion, fait violence à sa sœur. Cependant, le désir assouvi fit aussitôt place à la haine. Amnon insulte Tamar et lui ordonne de se lever et de partir. Elle s'écrie que l'outrage est plus grave encore si, après l'avoir violenté, au lieu de lui permettre de demeurer là jusqu'à la nuit, il oblige à partir sur le champ en plein jour, en pleine lumière, devant les témoins de sa honte. Alors il lui donne ordre à son esclave de la jeter dehors. Tamar, désespérée de cet affront et de la violence subie, déchire son manteau. Les jeunes filles de l'ancien temps portaient des manteaux à manches descendant jusqu'aux chevilles pour voiler toute leur tunique, répandent de la cendre sur sa tête et s'en va à travers la ville en poussant des sanglots et en déplorant sa honte. Son frère Absalom, qui se trouve sur son chemin, lui demande quel malheur elle avait éprouvé pour s'affliger ainsi. Quand elle lui eut raconté l'attentat, il lui conseilla de se calmer, de ne point prendre la chose trop à cœur et de ne pas se croire déshonorée pour avoir été violentée par son frère. Elle se laisse persuader, cesse de crier et de publier sa honte et reste chez son frère Absalom où elle demeure longtemps sans se marier. Absalom la venge en faisant assassiner Amnon. Quand il sut ce qui s'était passé, son père David en fut très affligé. Mais comme il aimait tendrement Amnon, parce que c'était son fils aîné, il se fit effort pour ne pas lui causer de peine. Cependant, Absalom, qui détestait profondément et sourdement son frère, attendait le moment propice pour tirer vengeance du crime. Déjà la deuxième année s'était écoulée depuis le malheur arrivé à sa sœur, quand, devant s'en aller pour la honte de ses moutons, pour la tonte de ses moutons à Belséphone, ville de la tribu d'Éphraïm, il invite son père avec ses frères à un festin chez lui. Son père ayant décliné l'invitation pour ne pas lui être à charge, Absalom insista pour qu'il lui envoyât au moins ses frères. David y consent. Alors Absalom ordonne à ses gens, au moment où ils verront Amnon, en proie au vin et au sommeil, de l'égorger sur un signe qui lui donnera. Ils n'auront rien à craindre de personne. Douleur de David, fuite d'Absalom. Dès que les serviteurs eurent exécuté son ordre, la terreur et le trouble envahirent ses frères. Et, tremblant pour leur vie, ils sautèrent sur leurs chevaux et s'enfuirent vers leur père. Un fuyard qui les avait précédés annonça à David qu'ils avaient tous été assassinés par Absalom. David, apprenant la mort simultanée de tant d'enfants et sous les coups d'un frère, la qualité de l'assassin ajoutée encore à l'amertume de son chagrin, est saisi d'une telle émotion qu'il ne demande pas la raison de cette boucherie, qu'il ne veut même pas en apprendre davantage comme il eût été pourtant naturel à l'annonce d'un tel malheur, incroyable à force d'énormité.
Il déchire ses vêtements, se précipite à terre et reste étendu, pleurant tous ses fils et ceux dont on lui annonce la mort et leur meurtrier. Cependant, Jonathan, fils de son frère Samas, l'exhorte à modérer un peu son chagrin, à ne pas croire la mort de tous ses autres fils, car aucun motif n'autorisait cette rumeur, mais à s'enquérir du sujet de celle d'Amnon. Si Absalom a osé le tuer, c'est en toute vraisemblable à cause de l'attentat commis par lui sur Tamar. À ce moment, un bruit de chevaux et le tumulte d'une arrivée les fit se retourner. C'étaient les fils du roi qui s'étaient sauvés du festin. Le père va embrasser ses fils qu'il voit en larmes, désolé lui-même, bien qu'il retrouve contre son espérance ce dont on venait de lui apprendre la mort. C'était chez tous des sanglots et des gémissements, ceux-ci pleurant leur frère mort, le roi son fils immolé. Quant à Absalom, il s'enfuit à Jetsoura, auprès de son aïeul maternel qui régnait sur ce territoire, et demeura chez lui 3 ans entiers. Joab envoie une femme à David pour obtenir le rappel d'Absalom. Il arriva alors que David décida d'envoyer un message à son fils Absalom et de le mander en sa présence, non pour le châtier par sa colère, car sa colère s'était apaisée avec le temps, mais pour avoir auprès de lui. Le général en chef Joab avait fort encouragé à cette décision. À cet effet, il avait subordonné une vieille femme qui se présenta à David en vêtements de deuil, racontant que ses deux fils s'étaient disputés au champ et en étaient venus à se battre sans que personne ne survînt pour les séparer. L'un était mort sous les coups de l'autre. Comme ses proches s'étaient jetés sur le meurtrier et cherchaient à le faire périr, elle suppliait le roi de lui accorder la grâce de son fils et de ne pas la frustrer des dernières espérances qui lui restaient d'être soigné dans sa vieillesse. Ce bienfait, il pouvait lui assurer en arrêtant les deux bras de ceux qui voulaient tuer son fils. Rien ne les ferait renoncer à leur dessein que la crainte qu'il leur inspirerait. Le roi, ayant exaucé cette femme, elle reprit « Je rends grâce, dit-elle, à ta bonté, à la compassion que tu as montrée pour ma vieillesse et pour la privation où j'allais être de tous mes enfants. Mais si tu veux que je sois sûre que ce que tu m'as promis, ton humanité commence par te réconcilier avec ton propre fils et cesse de lui témoigner ta colère. Comment, en effet, pourrais-je croire que tu m'accordes du bon cœur la grâce de mon fils si tu persistes encore aujourd'hui à traiter pour des raisons semblables le tien en ennemi? Il serait parfaitement déraisonnable lorsqu'un de tes fils est mort, malgré toi, d'en sacrifier un autre de ton plein gré. » Le roi devine que ce discours est une ruse imaginée par Joab dans son zèle. Il interroge la vieille femme qui lui avoue que telle est la vérité. Alors il mande Joab, lui déclare qu'il a bien atteint son but et lui commande d'amener Absalom. Il ajoute de ne plus lui en vouloir et que sa colère est tombée. Joab se prosterne devant le roi et accueille ses paroles avec joie. Aussitôt, il court vers Jetsour et en ramène Absalom à Jérusalem. Après 2 ans d'isolement, Absalom rentre en grâce. Le roi envoya au-devant de son fils quand il apprit son arrivée et lui fit dire de rentrer dans son propre logis, car il n'était pas en humeur de le voir dès son retour. Absalom, devant cet ordre de ce père, se déroba à ses regards et vécut réduit aux soins de ses propres gens. Sa beauté ne souffrit cependant ni de son chagrin ni de la privation des honneurs dus à un fils de roi. Il emportait toujours sur tous par sa prestance et sa haute stature et avait les meilleures mines que ceux qui vivaient dans la plus grande abondance. Sa chevelure était si épaisse qu'on pouvait à peine la tailler en 8 jours. Elle pesait 200 sicles qui font 5 mines. Il demeura à Jérusalem 2 ans et devint père de 3 enfants mâles et d'une fille, d'une beauté remarquable que Roboam, fils de Salomon, prit plus tard pour femme. Elle lui-même un enfant nommé Abias. Alors Absalom manda Joab pour le prier d'apaiser tout à fait son père
et de lui demander la permission d'aller le voir et s'entretenir avec lui. Comme Joab ne se pressait pas de faire cette démarche, le prince envoya quelques-uns de ses gens mettre le feu à un champ contigu à son habitation. Joab, à cette nouvelle, vint se plaindre auprès d'Absalom et lui demanda la raison de sa conduite. « C'est un stratagème, répond-il, que j'ai imaginé pour t'amener chez moi, toi qui as négligé les instructions que je t'avais données pour me réconcilier avec mon père. Maintenant que te voilà, je te conjure d'aller calmer l'auteur de mes jours, car j'estime mon retour plus pénible que mon exil tant que mon père demeure en colère contre moi. » Joab, touché et prenant pitié de son existence contrainte, intercède alors auprès du roi, et ses discours le disposent si bien qu'envers son fils que David mande celui-ci sur le champ auprès de lui. Absalom s'étant jeté à terre en implorant le pardon de ses fautes, David le relève et lui promet d'oublier le passé. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 9. Absalom flatte le peuple. Absalom, après avoir ainsi obtenu satisfaction de la part de son père et roi, acquit en fort peu de temps quantité de chevaux et de chars, et il avait autour de lui 50 satellites. Chaque jour de grand matin, il se rendait au palais royal et s'entretenait aimablement avec les plaideurs qui avaient perdu leur procès. Il insinuait que s'ils avaient injustement succombé, c'était peut-être faute de bons conseillers auprès de son père. Il affirmait que, s'il en avait le pouvoir, il leur rendrait, lui, complète et bonne justice, et se conciliait ainsi la bienveillance de tous. Lorsque, par ses flatteries au peuple, il crut s'être assuré suffisamment à la faveur des foules, et que 4 ans se furent écoulés depuis sa réconciliation avec son père, il vint chez David et lui demanda la permission d'aller à Hébron offrir un sacrifice à Dieu, comme il en avait fait le vœu durant son exil. David ayant acquiescé à sa requête, il part et une grande multitude s'assemble autour de lui, car il avait convoqué quantité de gens. Achitophel se met de son côté. David quitte Jérusalem, il y envoie Hushaï. Avec eux arriva aussi Achitophel, le Jelmonéen, conseiller de David, ainsi que 200 hommes de Jérusalem même, qui ne soupçonnaient rien de l'entreprise, mais croyaient simplement venir assister à un sacrifice. Et voici qu'Absalom, ayant machiné son stratagème, se fait proclamer roi par tout le monde assemblé. Quand David apprit l'événement et la conduite imprévue de son fils, il fut à la fois effrayé et surpris de tant d'impiété et d'audace. Ainsi, Absalom non seulement avait oublié le pardon accordé à ses fautes, mais s'engageait dans une entreprise plus grave encore et plus scélérate, d'abord en aspirant à une royauté que Dieu ne lui destinait pas, ensuite en dépouillant son père. Il résolut alors de s'enfuir au-delà du Jourdain. Après avoir convoqué les plus dévoués de ses amis, il s'entretint avec eux de la démence de son fils, et, s'en remettant pour toute chose à la justice de Dieu, il laisse le palais à la garde de 10 concubines et quitte Jérusalem avec toute une foule qui s'empressa de l'accompagner et les 600 hommes d'armes qui s'étaient joints à sa première fuite du vivant de Saül. Quant à Abiathar et Sador, les grands prêtres, qui voulaient partir avec lui et tous les Lévites, il les persuada de demeurer avec l'arche, car Dieu le les sauverait, même sans qu'on emportât celle-ci. Mais il leur recommanda de l'informer en secret de tout ce qui se passerait. Il avait d'ailleurs des serviteurs de toute confiance dans la personne d'Achimas, fils de Sadoc, et de Jonathès, fils d'Abiathar. Est-il le Gitéen parti aussi avec lui contre le gré de David, qui voulait le persuader de rester, ce qui accrut la bienveillance que David lui témoignait. Comme il gravissait le mont des Oliviers, pieds nus,
et que tous ceux qui étaient avec lui pleuraient, on lui annonce qu'Achitophel lui-même est avec Absalom et embrasse son parti. Cette nouvelle augmenta encore son chagrin, et il implora Dieu, lui demandant de détacher d'Achitophel la confiance d'Absalom, car il craignait que celui-ci ne le persuadât d'obtenir à ses conseils perfides, et il le savait homme capable, très habile, à discerner le parti le plus avantageux. Parvenu au sommet de la montagne, il considérait la ville et priait Dieu en versant d'abondantes larmes comme s'il avait perdu sa couronne. Il rencontra alors un homme d'une amitié sûre nommé Chouzi. Le voyant, les vêtements déchirés, la tête couverte de cendres et se lamentant au sujet de cette révolution, David le consola, l'exhorta à calmer son chagrin et enfin le conjura de s'en aller auprès d'Absalom et de feindre d'être de son parti afin de pénétrer les secrets de sa pensée et de combattre les conseils d'Achitophel. Il lui serait ainsi plus utile qu'en demeurant avec lui. Chouzi, obéissant à David, le quitta et se rendit à Jérusalem, où arrivait peu de temps après Absalom lui-même. David donna Siba les biens de Méphibosheth. David avait fait un peu de chemin lorsque vint à sa rencontre Sibas, l'esclave de Mephibosheth, l'homme qui avait envoyé prendre soin des biens donnés par lui au fils de Jonathan, fils de Saül. Sibas avait avec lui un attelage d'ânes chargé de vivres, dont il priait le roi de prendre tout ce dont lui et ses compagnons avaient besoin. Comme David demandait où il avait laissé Mephibosheth, il répondit à Jérusalem, où il s'attendait que le peuple, à la faveur des troubles présents et en mémoire des bienfaits dont l'avait comblé Saül, le proclama roi. Outré de cette trahison, David gratifia Sibas de tout le bien qu'il avait donné à Mephibosheth, estimant qu'il avait bien plus de droits que son maître. Sibas en fut rempli de joie. Semei injurie David. David était parvenu en un endroit appelé Baourin, quand s'avance à sa rencontre un parent de Saül, nommé Semei, fils de Géras, qui se mit à lui lancer des pierres et des imprécations. Ses amis ayant entouré le roi pour le protéger, Semei ne fit que continuer de plus belle à l'insulter, l'appelant meurtrier et artisan de mille maux. Il invitait à quitter le pays comme un impur et un maudit, et il rendait grâce à Dieu d'avoir arraché son trône à David et de lui avoir infligé par son propre fils la punition des crimes qu'il avait commis envers son maître. Tous étaient exaspérés de colère contre lui, et surtout Abisaï qui voulait tuer Semei. Mais David contint l'élan de sa colère. « N'ajoutons pas, dit-il, au malheur présent, une source de calamité nouvelle. Je n'ai ni honte ni souci de ce chien encagé qui se jette sur moi. Je cède à Dieu qui m'envoie cet homme exhaler son délire contre nous. Il n'y a rien d'étonnant à ce que je sois ainsi traité par cet homme, puisqu'il me faut subir même l'iniquité d'un fils. Mais Dieu nous prendra même peut-être en pitié et nous accordera le triomphe sur nos ennemis. » Il continua donc son chemin sans se préoccuper de Semei qui courait sur l'autre côté de la montagne en criant force malédiction. Quand il fut arrivé au Jourdain, il y donna du repos à ses hommes harassés de fatigue. Soumission apparente de Hushai, conseil d'Achitophel. Lorsqu'Absalom et Achitophel, son conseiller, furent arrivés à Jérusalem avec tout le peuple, l'ami de David se présenta devant eux, se prosterna devant Absalom et lui souhaita de régner pour toujours. Cependant, Absalom lui demande pourquoi lui, un des principaux amis de son père, connu pour sa fidélité à toute épreuve, n'était pas resté avec David, mais l'avait abandonné pour passer à son propre service. L'autre répondit avec habileté et prudence, « Il faut bien se conformer à la volonté de Dieu et du peuple entier.
Or, comme ceux-ci sont venus à toi, Seigneur, il est juste que je les suive à mon tour, car c'est bien de Dieu que tu tiens la royauté. Je te témoignerai la même fidélité, le même zèle, si tu te confies à mon amitié, que tu sais que j'ai témoigné à ton père. Pourquoi s'irriter de la situation présente? La royauté n'a pas passé dans une autre maison, elle est restée dans la même, puisque du père elle est échue au fils. Ces paroles convainquirent Absalom, qui, de fait, l'avait suspecté. Il appelle ensuite Achitophel et le conduit sur la conduite à tenir. Je lis ce qui est marqué. Celui-ci lui conseille d'user des concubines de son père. Par là, en effet, disait-il, le peuple saura avec certitude que votre querelle est irréconciliable et il t'accompagnera avec beaucoup d'empressement à la guerre contre ton père. Jusqu'ici, il a eu peur d'afficher une haine déclarée, craignant de vous voir vous accorder ensemble. Docile à ce conseil, Absalom ordonne à ses serviteurs de lui dresser une tente sur le toit du palais royal, sous les yeux du peuple, puis il y pénètre et s'unit avec les concubines de son père. Ces choses se passèrent conformément à la prophétie que Nathan avait faite à David quand il lui révélait le futur attentat de son fils. Absalom préfère la vie de Hushai à celui d'Achitophel. Absalom, ayant obéi ainsi aux suggestions d'Achitophel, sollicita une seconde fois ses conseils touchant la lutte contre son père. Achitophel lui demanda 10 000 hommes d'élite, promettant de tuer son père et de ramener saufs ses compagnons, et lui affirma que David disparu, son trône serait désormais assuré. Quoique charmé de cet avis, Absalom fait venir Chouzi, le grand ami de David, c'est ainsi qu'il appelait, et lui ayant communiqué l'avis d'Achitophel, lui demanda ce qu'il en passait. Celui-ci, comprenant que si les conseils d'Achitophel se réalisaient, David risquait d'être pris et tué, hasarda un avis contraire. « Tu n'ignores pas, ô roi, la vaillance de ton père et de ses compagnons, car il a conduit beaucoup de guerres et en est toujours sorti victorieux de ses ennemis. Maintenant, il est vraisemblable qu'il est retranché dans son quart, car c'est un très habile tacticien, sachant prévoir les ruses de ses ennemis qui le guettent. Mais vers le soir, quittant les siens, ou bien il ira se cacher dans quelque vallon encaissé, où il se postera en embuscade derrière un rocher. Et quand les nôtres en seront venus aux mains, ses soldats à lui reculeront d'abord un peu, puis, enhardis par l'idée que le roi est très près d'eux, ils reviendront à la charge, et au milieu du combat, ton père, apparaissant tout à coup, exaltera l'ardeur des siens et frappera les tiens de terreur. Soumets donc aussi mon conseil à la réflexion, et quand tu l'auras reconnu, bon, écarte la vie d'Achitophel. Ce conseil, le voici. Expédie des messagers dans tout le territoire des Hébreux et convoque ceux-ci à l'expédition dirigée contre ton père. Puis, te mettant à la tête des troupes, conduis-les toi-même à la guerre et ne confie cette tâche à nul autre. Tu peux espérer en effet le vaincre facilement si tu le surprends en pleine campagne avec peu de soldats, avant toi-même de nombreux milliers d'hommes brillants de manifester leur zèle et leur dévouement pour toi. Que si ton père s'enferme et affronte un siège, nous nous emparerons de la ville à l'aide de machines et de mines souterraines. Ce langage rencontra plus de faveur que celui d'Achitophel. À l'avis de ce dernier, Absalom préféra celui de Chouzi. Dieu lui-même y avait incliné son esprit. David en est averti par les fils des grands prêtres. Aussitôt, Chouzi va trouver les grands prêtres Sadoc et Abiathar et leur expose la vie d'Achitophel et le sien et comment ses conseils ont prévalu. Il leur prescrivit d'envoyer un messager à David pour le mettre entièrement au courant de ses décisions et l'inviter en outre à se hâter de franchir le Jourdain, de crainte que son fils se ravisant ne s'élançât à sa poursuite et ne le surprît avant qu'il fût parvenu en lieu sûr.
Or les grands prêtres tenaient à dessein leur fils caché en dehors de la ville pour qu'il puisse rapporter à David ce qui se passait. Ils envoyèrent donc une servante de confiance pour leur rapporter les décisions d'Absalom et leur mandèrent d'aller sur l'heure en informer David. Ceux-ci, sans ajournement ni retard, munis des instructions de leur père, se montrent mandataires pieux et fidèles et estiment que plus ils feraient vite, mieux ils rempliraient leur mission. Ils se mirent aussitôt en route pour aller trouver David. Ils étaient à peine à deux stades de la ville lorsque quelques cavaliers les aperçoivent et les dénoncent à Absalom. Celui-ci aussitôt envoie des hommes pour se saisir d'eux. Mais les fils des grands prêtres, s'étant en méfié, s'écartent de leur chemin et gagnent sur le champ un village nommé Bachourès, non loin de Jérusalem. Là, ils demandent à une femme de les cacher et de leur donner un abri sûr. Celle-ci fait descendre les jeunes gens dans un puits sur lequel elle posa des couvertures de laine. Lorsque les gardes lancés à leur poursuite arrivèrent et s'informèrent si elle les avait vus, elle ne le nia point, mais ajouta qu'ils avaient bu chez elle puis étaient repartis. Si on leur donnait activement la chasse, on les rattraperait. Les gardes, après les avoir poursuivis longtemps sans résultat, revinrent sur un pas. Cependant, la femme, dès qu'elle les eut vus partir et que les jeunes gens ne risquaient plus de se faire reprendre, les fit remonter du puits et les exhorta à prendre le chemin commencé. Et après un voyage où ils redoublèrent de zèle et de promptitude, ils arrivèrent auprès de David et lui rapportèrent exactement tout ce qui avait été décidé par Absalom. Alors David ordonna à tous ses compagnons de franchir le Jourdain, malgré la mi-venue, et sans tarder davantage. Achitophel se tut. Accueil fait à David au camp. Cependant, Achitophel, voyant que son avis n'avait pas prévalu, monta sur une bête de Saône, courut à Gelmont, sa ville natale, et ayant convoqué tous les siens, leur raconta ce qu'il avait conseillé à Absalom, et comment, n'ayant pu se faire écouter, il ne doutait pas de la perte prochaine de celui-ci. David aurait le dessus et remonterait sur le trône. Mieux valait, disait-il, quitter la vie librement et fièrement, que d'attendre le châtiment que lui réservait David, si entièrement trahi par lui en faveur d'Absalom. Ayant ainsi parlé et s'étant retiré dans le fond de sa maison, il se pendit. Le corps d'Achitophel, qui s'était fait ainsi son propre justicier, fut décroché et enseveli par ses parents. Cependant David, ayant franchi le Jourdain, ainsi que nous l'avons dit plus haut, arrive au retranchement, ville magnifique et très bien fortifiée. Il est accueilli de grand cœur par tous les principaux du pays, à la fois par pitié pour sa détresse présente et par déférence pour sa prospérité passée. Ses hommes étaient Berzélaïos, le Galadite, Siphar, prince de l'Amanitide, et Machir, le premier pays de Galatidite. Ils procurèrent à David et aux siens des vivres en grande abondance, lits dressés, pain, vin, en outre quantité de viande et tout ce qu'il fallait pour restaurer et nourrir des gens épuisés de fatigue. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 10. Préparation de guerre d'Absalom et de David, recommandation de ce dernier. Pendant qu'il séjournait en ce lieu, Absalom, ayant réuni une grande armée d'Hébreux, la conduisit contre son père. Il franchit le fleuve Jourdain et s'arrêta non loin des retranchements dans le pays des Galadites, après avoir établi Amessas, capitaine de toutes ses troupes, à la place de Joab, son parent. Amessas avait en effet pour père Létharsos et pour mère Abigéa. Celle-ci et Sarouya, mère de Joab, étaient sœurs de David. Or, quand David eut dénombré ses troupes et en eut trouvé environ 4 000, il résolut de ne pas attendre qu'Absalom vînt le rejoindre.
ayant mis à la tête de ses hommes des chiliarques et des centurions et divisé l'armée en trois corps, il confia l'un à son général Joab, l'autre à Abisai, frère de Joab, et la troisième à Étéos, son familier et son ami, originaire de la ville d'Égyptiens. Il voulait partir en campagne avec eux, mais ses amis ne le lui permirent pas et le retinrent par de très sages raisons. En effet, disait-il, s'ils étaient vaincus avec lui, ils perdraient tout espoir. Si au contraire, défaits avec une partie de leurs troupes, ils se réfugiaient auprès de lui avec le reste, ils pourraient réparer leurs forces. De plus, son absence ferait croire aux ennemis qu'il avait encore une autre armée en réserve autour de lui. Obéissant à ce conseil, il résolut de demeurer de sa personne au retranchement et d'envoyer au combat ses amis et ses généraux. Il les exhorte à montrer ardeur, fidélité et gratitude pour les bons procédés qu'ils avaient reçus de lui. Il suppliait que si l'on s'emparait de son fils Absalom, on l'épargnât, menaçant d'attenter lui-même à ses jours si son fils venait à succomber. Et David demande à Dieu la victoire pour ses amis et les expédie en avant. Victoire de l'armée de David, Joab tue Absalom. Joab déploya ses troupes face aux ennemis dans une vaste plaine ceinte d'un bois à l'arrière. Absalom fait aussi sortir son armée. Le combat engagé de part et d'autre en fit des prodiges de vigueur et d'audace. Les uns, voulant rendre son trône à David, s'exposaient au danger de toute leur ardeur. Les autres, pour empêcher qu'il ne fût arraché à Absalom et que le fils ne reçût de son père le châtiment de sa témérité, étaient prêts à tout tenter ou à tout souffrir. D'autre part, ceux-ci, supérieurs en nombre, s'indignaient à la pensée de la honte immense qu'il y aurait à être vaincu par la petite armée de Joab et de ses collègues, et les soldats de David mettaient leur amour-propre à triompher de tant de milliers de combattants. Ainsi, la mêlée devint acharnée, mais la victoire resta aux gens de David qui l'emportaient en vigueur et en expérience militaire. Comme les ennemis s'enfuyaient à travers bois et ravins, ils les poursuivirent, en firent quelques-uns prisonniers, en tuèrent un grand nombre, de sorte qu'il succomba plus de fuyards que de combattants. Il en tomba en effet environ 20 000 ce jour-là. Les soldats de David se portèrent de tous côtés vers Absalom, reconnaissables à sa beauté et à sa grande taille. Comme il craignait d'être pris, il enfourcha sa mule royale pour s'échapper, emporté dans sa fuite rapide, soulevé par les sauts de sa bête et le vent, sa chevelure s'empêtra dans un arbre rugueux qui déployait de longues branches. Il resta ainsi suspendu d'extraordinaire façon, et tandis que la bête, entraînée par son élan, continuait sa course comme si elle portait encore son maître sur son dos, lui, retenu en l'air par les branches, fut pris par les ennemis. Un soldat de David vit le fait et avertit Joab. Celui-ci promit de lui donner 50 sicles s'il tuait Absalom d'un coup de javeline. « Quand même, dit-il, tu m'en offrirais 1000, je ne saurais agir ainsi à l'égard du fils de mon maître, surtout après que nous l'avons tous entendu nous supplier d'épargner le jeune homme. » Cependant, Joab l'obligea de lui indiquer où il avait vu Absalom suspendu, et il alla le percer d'une flèche au cœur. Alors les écuyers qui portaient les armes de Joab s'étaient rangés autour de l'arbre, tirèrent à eux le cadavre et le jetèrent dans une fosse profonde et béante qu'ils remplirent de pierres, de manière à lui faire prendre l'aspect et la grandeur d'un sépulcre. Puis Joab, ayant fait sonner la retraite, empêche ses soldats de poursuivre davantage les troupes ennemies, par égard pour des hommes de leur race. Colonne d'Absalom, sa descendance. Absalom avait érigé dans la vallée royale une stèle de marbre à 2 stades de distance de Jérusalem, colonne qu'il avait appelée la main d'Absalom, disant que, si même ses enfants venaient à mourir, son nom resterait sur cette stèle. Il avait 3 fils et une fille nommée Tamara, comme nous l'avons dit précédemment.
De l'union de celle-ci avec Roboam, petit-fils de David, naquit un fils à qui devait échoir la royauté, Abias. Mais nous en parlerons plus tard en temps et lieu. Après la mort d'Absalom, le peuple se dispersa et rentra dans ses foyers. Achimas et Hushaï vont apporter les nouvelles à David. Achimas, le fils du grand prêtre Sadoc, aborda Joab et lui demanda la permission d'aller annoncer la victoire à David et de le féliciter d'avoir obtenu le secours et la sollicitude de Dieu. Mais Joab le pria de demeurer. Il ne convenait pas, disait-il, qu'après avoir été toujours un messager de bonnes nouvelles, il s'en alla maintenant annoncer au roi la mort de son fils. Ayant donc appelé Chouzi, c'est à lui qu'il confia la tâche d'annoncer au roi ce qu'il avait vu de ses yeux. Cependant, comme Achimas insistait de rechef pour être chargé de porter la nouvelle, promettant de limiter son message à l'annonce de la victoire et de taire la mort d'Absalom, Joab lui permit de se rendre près de David. Il prend alors le chemin le plus court qu'il était le seul à connaître et devance Chouzi. David s'était assis entre les deux portes de la ville, attendant que quelqu'un vienne du combat lui annoncer l'issue. Quand un des guetteurs vit accourir Achimas sans pouvoir discerner ses traits et dit au roi qu'il voyait un homme se hâter vers lui, David s'écrie que c'est un messager de bonheur. Un instant après, la citadelle lui signala un autre coureur qui suivait le premier. « C'est encore un bon messager, » dit le roi. Cependant, la sentinelle, distinguant enfin Achimas, qui s'était rapproché, annonça au roi le fils du grand prêtre Sadoc. David, tout joyeux, s'écria que c'était là un messager d'heureux événement et qui lui apportait sans doute du combat quelques nouvelles conformes à ses vœux. Achimas annonce la victoire à David. Hushaï l'informe de la mort d'Absalom. Douleur de David, Joab lui conseille de la cacher. Au moment où le roi parlait ainsi, Achimas apparaît et se prosterne devant lui. Le roi lui demande des nouvelles de la bataille. Il lui annonce la victoire et succès. Alors le roi lui demande ce qu'est devenu son fils. Le messager lui répond qu'il s'est empressé d'accourir vers David dès que la déroute des ennemis s'est prononcée, qu'il a entendu une grande clameur des gens à la poursuite d'Absalom, mais qu'il n'a rien pu apprendre davantage parce que, sur l'ordre de Joab, il s'était dépêché d'aller lui rendre compte de la victoire. À ce moment, Chouzi survint à son tour, salue le roi et lui confirme la victoire. David l'interroge au sujet de son fils, et lui, « Puisse tous tes ennemis, dit-il, subir le même sort qu'Absalom. » À ces paroles, la joie de la victoire, si grande qu'elle fut, ne subsista ni dans l'âme du roi, ni dans celle de ses soldats. David, l'ayant gravi l'endroit le plus élevé de la ville, se mit à pleurer son fils, se frappant la poitrine, s'arrachant les cheveux, se maltraitant de toutes les façons. « Mon enfant, s'écriait-il, plutôt Dieu que la mort m'eût atteint que j'eusse péri avec toi. » Naturellement, tendre pour les siens, c'était ce fils-là qu'il chérissait le plus. L'armée et Joab, ayant appris que le roi se lamentait ainsi sur son fils, se fit scrupule de pénétrer dans la ville avec l'appareil de vainqueur. Ils y entrèrent tous tête basse et en larmes, ainsi qu'après une défaite. Comme le roi avait la tête voilée et gémissait sur son fils, Joab entra chez lui et chercha à le consoler. « Ô maître, dit-il, ne vois-tu pas que tu te déconsidères toi-même en agissant de la sorte? Tu sembles haïr ceux qui t'aiment, qui ont affronté le danger pour toi. Tu sembles te haïr toi-même et ta famille, chérir d'autre part tes pires ennemis et regretter la disparition de ceux qu'a frappé un juste trépas. Car si Absalom avait triomphé et affermi son trône, il n'aurait pas laissé le moindre vestige d'aucun d'entre nous. Tous, à commencer par toi et tes enfants, nous eussions péri misérablement, et nos ennemis, loin de nous pleurer, se seraient réjouis et auraient châtié ceux qui se furent avisés de plaindre nos malheurs. Et toi, ne rougis-tu pas d'en user ainsi à l'égard d'un homme d'autant plus digne de ta haine que c'est envers un père qu'il a montré tant d'impiété?
Chasse donc ce chagrin injuste, avance-toi, fais-toi voir à tes soldats et félicite-les de la bravure qu'ils ont montrée dans les combats. Pour moi, si tu persistes dans ton attitude actuelle, je persuaderai aujourd'hui même le peuple de se détacher de toi et de donner le trône à un autre, et alors je te causerai un deuil plus amer et cette fois bien fondé. » Par ces paroles, Joab détourna le roi de son chagrin et le ramena au juste sentiment de ses devoirs. David change le vêtement, remet un appareil digne d'affronter la vue du peuple et vint s'asseoir devant les portes. Toute la multitude l'apprend, accourt vers lui et lui rend hommage. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 11. Soumission des tribus à David. Cependant, les Hébreux du parti d'Absalom, qui s'étaient échappés de la bataille, une fois revenus chacun chez soi, envoient dans toutes les villes pour rappeler les bienfaits reçus de David, la liberté et le salut qu'il leur avait procuré au prix de tant de grandes guerres. Ils se plaignaient qu'on eût chassé David du trône pour installer un autre, et maintenant, une fois mort, le chef qu'ils avaient choisi, qu'on n'alla pas supplier David de mettre fin à sa colère, de leur rendre sa bienveillance et de reprendre la direction des affaires, ainsi qu'auparavant en acceptant de nouveau la royauté. Tout cela a été rapporté continuellement à David. Celui-ci, néanmoins, ne laisse pas d'écrire aux grands prêtres Sadoc et Abiathar, leur mandant de représenter leur chef, au chef de la tribu de Juda, combien il serait honteux pour eux que les autres tribus les devançassent en choisissant de nouveau David pour roi. Alors, disait-il, que vous êtes apparentés et issus du même sang que lui. Il leur prescrivit d'en dire autant au général Amasas, fils de sa sœur. Comment ne se faisait-il pas un devoir de persuader le peuple de rendre la royauté à David? Il pouvait attendre de son roi non seulement le pardon qui lui était déjà accordé, mais le commandement en chef de tout le peuple que lui avait précédemment conféré Absalom. Les grands prêtres allèrent d'une part s'entretenir avec les chefs de la tribu, et de l'autre persuadèrent Amasas, après lui avoir fait la commission du roi, de réfléchir à son sujet. Amasas alors décide la tribu d'envoyer sur le champ des députés à David pour l'inviter à rentrer en possession de sa royauté, et tous les Israélites firent de même à l'instigation d'Amasas. La tribu de Juda vient la première à lui. David fait grâce à Semei. Quand les envoyés se furent présentés à David, il se rendit à Jérusalem. Avant tous les autres, la tribu de Juda vint à la rencontre du roi sur le fleuve du Jourdain, ainsi que Semei, le fils de Guéra, avec 1000 hommes qu'il amenait de la tribu de Benjamin, et Sibas, affranchi de Saül, et ses fils au nombre de 15 avec 20 serviteurs. Ceux-ci, avec la tribu de Juda, jetèrent un pont sur le fleuve afin que le roi pût le franchir plus aisément avec les siens. Lorsque David arriva sur les bords du Jourdain, la tribu de Juda l'acclama. Quand il monta sur le pont, Semei se jeta à terre devant lui, lui embrassa les pieds et le pria de pardonner ses torts envers lui et de ne pas le traiter avec rigueur. « Ne croyez pas que votre premier soin, une fois revenu au pouvoir, doivent être de me châtier, mais considérez plutôt que dans le repentir de mes fautes, je me suis hâté d'accourir en premier vers vous. » Tandis qu'il suppliait et implorait ainsi, Abisaï, frère de Joab, s'écria, « C'est pour cela que tu échapperais à la mort, toi qui as insulté un roi placé par Dieu sur le trône. » Mais David s'étant retourné vers lui, « Ne finirez-vous pas, dit-il, enfant de Sarouya, prenez garde de susciter encore de nouvelles agitations et de séditions après tant d'autres. Sachez que je considère ce jour comme le premier de mon règne. C'est pourquoi je jure de faire remise du châtiment à tous ceux qui ont failli envers moi et de ne pas sévir contre aucun des coupables.
Et toi, dit-il à Semei, rassure-toi et ne crois pas la vie en danger. Celui-ci se prosterna aux pieds du roi et marcha vers lui. Mephibosheth s'excuse auprès de David et se plaint de Siba. David leur pardonne à tous deux. On vit aussi venir à sa rencontre le petit-fils de Saül, Mephibosheth, vêtu d'habits sordides, les cheveux épais en désordre. C'est qu'après la fuite de David, il ne les avait pas coupés de chagrin et n'avait pas nettoyé ses vêtements, regardant comme un malheur personnel ce changement de règne. En outre, il avait été injustement accusé auprès de David par son intendant Sibas. Quand il eut salué le roi en se prosternant devant lui, David commença à lui demander pourquoi il n'était pas parti avec lui et ne l'avait point accompagné dans sa fuite. Mephibosheth en rejeta la faute sur Sibas. Celui-ci, en effet, avait reçu l'ordre de tout préparer pour le départ, mais il ne s'en était pas occupé et ne s'était pas plus soucié de lui que d'un esclave. « Pourtant, dit-il, si j'avais eu les pieds valides, je n'eusse pas été séparé de toi. Je m'en serais servi pour fuir. Mais il ne s'est pas contenté de contrarier ainsi mon dévouement envers toi, Seigneur. Il a ajouté à cela les calomnies et de misérables mensonges. Cependant, je sais bien que rien de tout cela ne trouve accès dans ton esprit qui est équitable, veut le triomphe de la vérité et chérit la divinité. Après avoir été en effet exposé au pire danger par mon grand-père et quand toute notre famille méritait de périr pour te venger, tu t'es montré modéré et bon en oubliant tout ce que passait à l'heure même où ta rancune pouvait se permettre la vengeance. Tu m'as traité en ami, tu m'as admis tous les jours à ta table. Bref, j'ai été traité comme le plus honoré de tes parents. » Après ces paroles, David résolut de ne point châtier Mephibosheth, mais de ne pas chercher non plus, ne pas rechercher non plus Sibas, pour l'avoir calomnié. Il conta à Mephibosheth que, pour le punir de n'être pas venu le rejoindre avec Sibas, il avait donné tous ses biens à ce dernier. Maintenant, il lui faisait grâce et ordonnait de lui restituer la moitié de ses biens. Mais Mephibosheth s'écria, « Que Sibas garde le tout, pour moi, il me suffit que tu aies recouvré la royauté. » Barzillai refuse de venir vivre à la cour. Berzéléos le Galadite, grand et bel homme qui avait comblé David de présents pendant son séjour au retranchement et l'avait escorté jusqu'au Jourdain, fut invité par lui à l'accompagner à Jérusalem. David promettait d'entourer sa vieillesse de tous les honneurs, de prendre soin de lui et de veiller sur lui comme un père. Mais Berzéléos, par amour de son foyer, refusa d'aller vivre avec le roi, déclarant qu'il avait atteint ce degré de vieillesse où l'on ne jouit plus des plaisirs. Il avait 80 ans, mais où l'on songe à la mort et à la sépulture. Puis il lui demanda, pour toute grâce, de le congédier. En effet, l'âge lui avait enlevé le goût de la nourriture et de la boisson. De plus, ses oreilles étaient fermées au son des flûtes et au chant des autres instruments, destinés à charmer ceux qui vivent ensemble à la cour des rois. Vaincu par ces vives instances, « Eh bien, dit le roi, je te congédie, toi, mais laisse-moi ton fils Archimand, je veux le combler de largesse. » Berzélios lui laissa donc son fils, salua le roi et après lui avoir souhaité la réussite de tous ses projets, il s'en retourna chez lui. David arrive à Galgala, ayant déjà autour de lui la moitié du peuple et toute la tribu de Juda. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 11. Suite. À Galgala, se rendent auprès de lui les notables de la région, accompagnés d'une grande multitude. Ils font grief à la tribu de Juda d'être venus à David en secret, alors qu'on aurait dû se porter tous ensemble d'un commun accord à sa rencontre. Mais les chefs de la tribu de Juda les prièrent de ne pas leur en vouloir,
d'avoir été ainsi devancé. C'est en qualité de parent de David, obligé par là même à plus de sollicitude et d'affection, qu'ils avaient pris les devants. Mais ils n'avaient point en récompense de leur empressement reçu de présents qui pussent indisposer les retardataires. Ainsi parlèrent les chefs de la tribu de Juda. Cependant, les premiers des autres tribus, loin de se calmer, « En vérité, dirent-ils, chers frères, nous nous étonnons que vous vous disiez seul parent du roi. Celui qui a reçu de Dieu la plénitude du pouvoir doit être considéré comme notre parent à tous. Et c'est pourquoi l'ensemble du peuple a 11 parts et vous une seule. En outre, nous sommes les plus anciens. Vous n'avez donc pas bien agi en venant secrètement et à la dérobée auprès du roi. » Révolte de Siba, David charge Joab de la réprimer. Tandis que les chefs discutaient ainsi les uns avec les autres, un homme méchant, amateur de discorde, nommé Sabéos, fils de Bocorias, de la tribu de Benjamin, se dressa devant le peuple et cria très haut : Nul de nous n'a de part avec David, ni de l'autre du fils de Jessé. Après ces paroles, il sonne du cor et proclame la guerre contre le roi. Alors tous le suivent, abandonnant David. Seule lui reste la tribu de Juda, et elle s'installa dans le palais royal à Jérusalem. Quant aux concubines dont son fils Absalom avait abusé, il les transféra dans une autre maison et recommanda à ses serviteurs de leur procurer tout le nécessaire, mais n'eut plus de commerce avec elle. Cependant, il désigne Amessas comme général et lui attribue la charge occupée par Joab. Puis, il lui donne de réunir tout ce qu'il pourrait de guerriers de la tribu de Juda et de le rejoindre dans 3 jours. Il lui confierait alors toutes les forces et l'enverrait combattre le fils de Bocorias. Amessas partit, mais ne mit aucune hâte à rassembler l'armée. Comme il ne revenait pas au 3e jour, le roi dit à Joab qu'il n'était pas expédient de laisser du répit à Sabéos. On pouvait craindre qu'avec le temps de se préparer, il ne vînt à causer plus de maux et d'affaires que n'en avait suscité Absalom. En conséquence, dit-il, ne temporisons plus, prends tout ce qu'il y a de troupes sous la main, ainsi que les 600. De concert avec ton frère Abécéos, relance l'ennemi et n'importe où tu le surprendras, essaye de le livrer bataille. Fais diligence pour le prévenir de peur qu'il ne s'empare de quelque place forte et ne nous ménage ainsi bien des combats et des sueurs. Joab tue son rival Amasa. Il assiège la ville où Siba s'est réfugié. Joab résolut d'agir sans retard. Il prit avec lui son frère et les 600 et prescrivit à tout ce qui restait de troupes à Jérusalem de le suivre. Puis il courut contre Sabéos. En arrivant à Gabaon, bourgade située à 40 stades de Jérusalem, il rencontra Amessas qui s'avançait à la tête de forces considérables. Joab, ceint de son épée et revêtu de sa cuirasse, se porta au-devant de lui. Comme Amessas approchait pour le saluer, Joab fait comme par mégarde tomber son épée hors du fourreau. Il se baisse pour la ramasser et de l'autre main, comme pour l'embrasser, saisit par la barbe Amessas qui s'était approché de lui. Puis, sans que l'autre pût se garer, il le frappe au ventre et l'étend raide de mort. Attentat impie et de tout point détestable sur un jeune homme de mérite, son parent, qui ne lui avait fait aucun tort, mais qu'il jalousait parce que le roi lui avait conféré le commandement et l'égalité dans les honneurs. C'était déjà pour la même raison qu'il avait assassiné Abner. Encore ce premier attentat pouvait invoquer une excuse spécieuse, le désir de venger son frère Azaël. Rien de semblable ne pouvait couvrir le meurtre d'Amessas. S'étant ainsi défait de son collègue, Joab poursuit Sabéos après avoir laissé un gardien près du cadavre avec ordre de crier aux soldats « Amessas est mort justement et son châtiment est mérité. Si vous êtes du parti du roi,
suivait son général Joab et Abécéos son frère. Le corps gisant sur le chemin, tout le monde accourt le voir, et selon l'habitude de la foule, tous se tiennent debout autour, manifestant leur étonnement et leur piété. Puis l'homme l'enlève de là et le porte en un lieu fort écarté de la route, où il dispose le corps et le recouvre d'un manteau. Cela fait, le peuple tout entier suivit Joab. Cependant, tandis qu'il poursuit Sabéos à travers tout le pays d'Israël, quelqu'un lui indique que le rebelle se trouve dans une ville forte appelée Albémachéa. Il s'y rend donc, dispose des troupes autour de la ville et l'entoure d'une circonvolution. Puis il commanda à ses soldats de saper les murailles et de les jeter bas, car les habitants de la ville, ayant refusé de le recevoir, il était fort irrité contre eux. Une femme parlemente avec Joab et lui livre la tête de Siba, officier nommé par David. Une femme de la ville pleine de sens et d'esprit, voyant sa patrie au seuil de la ruine, monte sur le rempart et fait appeler Joab par les hommes d'armes. Celui-ci s'étant approché, elle commença par lui dire que Dieu avait désigné les rois et les capitaines pour détruire les ennemis des Hébreux et procurer à ceux-ci la paix et la délivrance. Et toi, dit-elle, tu prends à tâche d'anéantir et de saccager une ville maîtresse des Israélites qui n'a commis aucun crime. Joab proteste et crie et prie Dieu de lui demeurer propice. Il assure qu'il n'a envie de faire périr personne du peuple, bien loin de vouloir anéantir une si grande ville, pourvu qu'on lui remette pour être châtié l'homme qui s'est révolté contre le roi Sabéos, fils de Bokourias. Il lèvera le siège et ramènera l'armée. Quand la femme eut entendu les paroles de Joab, elle le pria de patienter un peu, le temps de lui jeter la tête de son ennemi, puis elle descend auprès de ses concitoyens. « Voulez-vous, dit-elle, malheureux que vous êtes, périr misérablement avec vos enfants et vos femmes à cause d'un scélérat que personne ne connaît et l'avoir pour proie à la place de ce David qui vous a fait tant de bien? Pensez-vous qu'une seule ville puisse résister à une armée si considérable ?» Elle les persuade ainsi de trancher la tête à Sabéos et de la lancer dans le camp de Joab. Aussitôt fait, le général du roi fit sonner la retraite et leva le siège. Rentré à Jérusalem, il est désigné à nouveau comme général de toute l'armée. Le roi place Barnéas à la tête des gardes du corps et des 600. Il préposa Adoram aux impôts, Sabathès et Achilaos au registre, et nomma Sousas scribe et Sadoc et Abiatar prêtres. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 7, chapitre 12. David livre 7 fils de la famille de Saül aux Gabaorites, danger couru par David. Après ces événements, comme le pays était en proie à la famine, David supplia Dieu d'avoir pitié du peuple et de lui révéler la raison et le remède de ce fléau. Les prophètes lui déclarèrent que Dieu voulait venger les Gabaonites, que Saül avait commis l'iniquité de faire périr après les avoir trompés, violant ainsi les serments prêtés autrefois par le général Josué et les anciens. Si toutefois le roi accordait aux Gabaonites la réparation qui leur plairait pour les victimes, Dieu promettait de se réconcilier avec son peuple et de le délivrer de ses maux. Ainsi instruit par les prophètes de la volonté divine, David fait venir les Gabaonites et leur demande quelle satisfaction ils désirent. Ceux-ci, ayant réclamé qu'on leur livrât pour châtier 7 fils de la famille de Saül, le roi fit rechercher et les leur remit, mais épargna toutefois Mephibosthos, fils de Jonathan. Les Gabaonites s'étant saisis de ces hommes, les châtières à leur guise. Et sur le champ, Dieu commença à faire tomber la pluie et à rappeler la terre et à la production des fruits, la libérant de la sécheresse antérieure, et de nouveau la contrée des Hébreux fut dans l'abondance.
Peu de temps après, le roi fit campagne contre les Philistins. Il leur livra bataille et les ayant mis en fuite, se trouva seul pendant qu'il les poursuivait. Harassé, il fut aperçu par un des ennemis nommé Akmon, fils d'Araphos. Cet homme était un descendant des géants. Il portait une lance dans la poignée, dit-on. Il portait une lance dont la poignée, dit-on, pesait 300 sicles, une cuirasse à mailles et une épée. Se retournant contre David, il se mit sur lui, espérant mettre à mort le roi des ennemis, tant celui-ci était abattu de fatigue. Mais Abécéos, frère de Joab, apparut subitement, protégeant le couvrant de son bouclier, le roi qui gisait à terre, et tua son adversaire. Le peuple fut péniblement ému du danger qu'avait couru David, et les chefs lui furent jurés de ne plus affronter le combat avec eux, de peur de s'exposer par sa bravoure et son ardeur à quelque malheur, privant ainsi le peuple des bienfaits qu'il leur avait déjà procurés et de ceux dont le pays, dont ils profiteraient encore s'ils vivaient longtemps. Exploit de guerriers hébreux contre les Philistins. Les Philistins s'étant rassemblés dans la ville de Gazara, le roi qui en fut informé envoya une armée contre eux. Alors se distingua et acquit un grand nombre, renom, Sobakès, le Cheltéen, un des plus valeureux guerriers de David. Il tua en effet beaucoup de ceux qui se vantaient d'être les descendants des géants et se gonflaient de leur valeur, et ce fut lui qui procura la victoire aux Hébreux. Même après cette défaite, les Philistins recommencèrent la guerre. David leur opposa une armée où se distingua Néphan, un de ses parents. Il se mesura dans un combat singulier avec le plus brave de tous les Philistins, le tua et mit en fuite tous les autres. Beaucoup périrent dans la bataille. À peu de temps de là, ils vinrent camper près de la ville de Gitta, loin des frontières du pays des Hébreux. Il y avait parmi eux un homme de 6 coudées de haut, et qui avait à chaque pied et à chaque main un doigt de plus qu'à l'ordinaire. Or, un homme de l'armée envoyé contre eux par David, Jonathès, fils de Sama, l'affonda en combat singulier, mit à mort le colosse, et ayant déterminé ainsi la victoire complète, en rapporta le prix de la bravoure. Ce Philistin également se vantait d'être un rejeton des géants. Après ce combat, ils n'osèrent plus faire la guerre aux Israélites. Hymne et instrument de musique de David. Affranchi des guerres et des périls, il jouissait désormais d'une paix profonde. David composa des cantiques à Dieu et des hymnes en mètres variés, les uns en trimètre, les autres en pentamètre, et ayant fabriqué des instruments, il apprit aux Lévites à s'en servir pour célébrer Dieu au jour du dit sabbat, ainsi qu'aux autres fêtes. Voici l'aspect de ces instruments. La kinnira, tendue à 10 cordes, se frappe à l'aide d'un flectre. La nabla, qui a 12 sons, se pince avec les doigts. Il y avait aussi des cymbales larges et grandes en airain, qu'il nous suffise d'avoir donné ces indications, afin qu'on n'ignore pas complètement quels étaient ces instruments. Au fait de saints guerriers israélites. Tous ceux dont le roi s'entourait étaient des vaillants, mais les plus remarquables d'entre eux, ceux qui avaient accompli les plus brillants exploits, étaient au nombre de 38. Je ne rappellerai plus que les hauts faits des 5 d'entre eux, ils suffiront à faire deviner les exploits des autres. Ces hommes étaient capables en effet de subjuguer des pays entiers et de triompher de grandes nations. Le premier était Lesamos, fils d'Achéméos, qui, à plusieurs reprises, se jeta dans les rangs des ennemis et ne cessa de lutter avant d'avoir abattu 900 d'entre eux. Après lui venait Éléazar, fils de Dodéias, qui fut avec le roi Arasamon. Celui-ci, un jour que les Israélites consternés devant la multitude des Philistins, prenait la fuite, resta seul à son poste et, tombant sur les ennemis,
en fit un si grand carnage que le sang se fit coller à son épée, à sa main droite. Les Israélites, voyant les Philistins mis en déroute par lui, descendirent des montagnes, les poursuivirent et remportèrent une victoire étonnante et mémorable. Éléazar continuant à massacrer les fuyards pendant que la foule le suivait et dépouillait les morts. Le troisième, c'était le fils d'Ilios, nommé Kézabéos. Lui aussi s'illustra dans les luttes avec les Philistins. Un jour qu'ils étaient rangés en bataille en un lieu appelé Siagon, voyant les Hébreux terrifiés de nouveau par leur force et pliant devant eux, il résista à lui seul comme à une armée, abattit les uns et poursuivit les autres, qui n'ayant pu soutenir son énergie et son impétuosité, avaient pris la fuite. Tels sont les exploits des guerriers où ces trois héros illustrèrent leurs bras. Ce n'est pas tout. À l'époque où le roi se trouvant à Jérusalem, l'armée des Philistins vint porter la guerre chez lui. David monta à la citadelle, comme nous l'avons déjà dit, pour consulter Dieu au sujet de la guerre. Le camp des ennemis se trouvait dans la vallée qui s'étend jusqu'à la ville de Bethléem, à 20 stades de Jérusalem. David dit alors à ses compagnons : Nous avons de belles eaux dans ma ville natale, et prenant surtout celle de la citerne située près de la porte. Il ajoutait que si quelqu'un lui en apportait à boire, il y trouverait plus de plaisir qu'à un trésor. Ce qu'entendant, les trois braves sortirent aussitôt en courant, s'élancèrent à travers le camp des ennemis, parvinrent à Bethléem, et ayant puisé de l'eau, s'en revinrent par le camp auprès du roi, si ardemment que les Philistins, stupéfaits de leur audace et de leur force d'âme, se tinrent coi, et ne tentèrent rien contre ces hommes méprisant leur petit nombre. Quant à cette eau qu'on lui avait rapportée, le roi s'abstint d'y toucher et déclara que, puisqu'elle était le prix du danger et du sang de ses hommes, il ne convenait point qu'il la bût. Il en fit une libation à Dieu et lui rendit grâce pour le salut de ses braves. Après eux, il faut nommer le frère de Joab, Abécéos, qui en un seul jour mit à mort 600 ennemis. Le cinquième était Banéas, de la famille sacerdotale. C'est défié par des frères illustres du pays de Moab, il triompha d'eux par sa valeur. Une autre fois, comme un homme de race égyptienne de stature gigantesque l'avait provoqué, il attaqua sans armes son ennemi qui était armé. En le frappant de son propre javelot, il lui enleva en effet sa lance, le dépouilla, vivant encore et se débattant, et l'acheva de ses propres armes. Voilà encore un trait qui surpasse ou égale la bravoure des exploits précédemment apportés. Comme Dieu faisait tomber de la neige, un lion glissa et tomba dans une citerne. L'orifice était étroit et la neige l'obstruait encore. Le fauve allait disparaître et ne voyant pas de moyen de s'échapper, il rugissait. Banéas, qui cheminait justement par là, entendit l'animal et accourut à ses cris. Il descendit par l'ouverture et frappant le lion en train de se débattre avec un bâton qu'il avait dans les mains, il le tua sur le coup. Tous les autres guerriers de David accomplirent des exploits semblables. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 13. David, malgré l'avis de Joab, procède au dénombrement du peuple. Le roi David, voulant savoir combien de myriades il y avait dans le peuple, oublieux des prescriptions de Moïse, qui avait ordonné chaque fois qu'on dénombrerait le peuple d'avoir à payer un demi-sicle par tête, chargea son général Joab d'aller procéder à un dénombrement complet de la population. Joab opina qu'une telle mesure n'était pas nécessaire, mais le roi ne voulut rien entendre et lui enjoignit d'y procéder sans autre délai. Joab prit avec lui les chefs de tribu et les scribes, parcourut le pays d'Israël, et après avoir fait le recensement, revint auprès du roi à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Il lui rapportait le chiffre de la population, hormis la tribu de Benjamin qu'il n'eut pas le temps de recenser,
non plus que celle des Lévites. Le roi, en effet, s'était déjà repenti de la faute qu'il avait commise envers Dieu. Le nombre des Israélites, autres que Judas, s'élevait à 900 000 hommes aptes à porter les armes et à combattre. La tribu de Judas, à elle seule, en comptait 400 000. Le prophète Gad fait choisir à David entre trois châtiments. David choisit la peste. Le prophète ayant appris à David que Dieu était courroucé contre lui, il se mit à l'implorer et le conjura de se montrer clément et de lui pardonner sa faute. Alors Dieu lui envoya le prophète Gad, qui lui offrit le choix entre trois fléaux. Aucune famine sévit dans le pays pendant 7 ans, ou qu'après une guerre de 3 mois il fut vaincu par ses ennemis, aucune maladie pestilentielle infesta les Hébreux durant 3 jours. David, ainsi contraint à ce pénible choix entre de si grands malheurs, s'affligeait et demeurait tout interdit. Mais le prophète lui déclara qu'il fallait en venir là, de toute nécessité, et l'invita à se décider promptement, afin qu'il pût annoncer son choix à Dieu. Alors le roi réfléchit que s'il demandait la famine, il paraîtrait avoir sacrifié ses sujets à sa propre conservation, car il n'en souffrirait pas, ayant beaucoup de blé en réserve. Mais le fléau serait désastreux pour les autres. Que s'il choisissait les 3 mois de revers, on croirait qu'il avait opté pour la guerre parce qu'il était entouré des plus braves et protégé par ses gardes de sorte qu'il n'avait rien à redouter. Il opta donc pour une calamité commune aux gouvernants et aux gouvernés, où la crainte fut la même pour tous, proclamant qu'il valait mieux tomber entre les mains de Dieu qu'entre celles des ennemis. Ravage du fléau, supplication de David. Ayant entendu ces paroles, le prophète les rapporta à Dieu, et Dieu envoya la peste et la mort aux Hébreux. Ils ne succombaient pas tous de la même façon, et il n'était pas facile de reconnaître la maladie. Le fléau, quoique unique, se déguisait en mille formes et trouvait mille occasions de s'abattre sur eux à l'improviste. Chacun périssait dans un accident différent, et le mal survenant sournoisement amenait une mort cruelle. Les uns rendaient l'âme subitement au milieu de violentes souffrances et de douleurs aiguës. Quelques-uns s'épuisaient lentement et ne laissaient rien même pour leurs funérailles, ayant tout dépensé pendant leur maladie. D'autres, suffoqués soudain par un nuage qui envahissait les yeux, expiraient dans un gémissement. Certains tombaient morts au moment d'enterrer quelqu'un des leurs, sans pouvoir achever la sépulture. Jusqu'à l'heure du dîner, 70 000 âmes. L'ange étendit son bras même sur Jérusalem, où il déchaîna également le fléau. Le roi, revêtu d'un cilice, était couché à terre et suppliait Dieu, lui demandant de s'apaiser et de se contenter de tant de victimes. Comme il levait les yeux au ciel, il aperçut l'ange le traverser en se dirigeant sur Jérusalem, le glaive tiré, et il dit à Dieu que lui seul le berger méritait d'être châtié, mais que tout le troupeau innocent devait être sauvé. Il le suppliait donc de détourner sa colère contre lui-même et toute sa famille et d'épargner le peuple. Fin de l'épidémie. David achète l'aire d'Aravan. Il y projette de d'y construire un temple. Dieu exauça sa prière et fit cesser la peste. Puis, lui ayant envoyé le prophète Gal, il lui ordonna de monter aussitôt à la grange de Jébuséen, Oronas, d'y élever un autel et d'y offrir un sacrifice à Dieu. David entendit et ne perdit pas un instant pour se rendre à l'endroit marqué. Oronas était en train de battre son blé quand il vit arriver le roi et tous ses enfants. Il accourut au-devant de lui et se prosterna, quoique de race jébuséenne, c'était un des meilleurs amis de David,
et c'est pourquoi le roi l'avait épargné quand il détruisit la ville ainsi que nous l'avons rappelé un peu plus haut. Comme Oronas s'informait pourquoi le maître venait chez son serviteur, David lui dit que c'était pour lui acheter son aire afin d'y construire un autel et d'y faire un sacrifice. Le Jébuséen déclara qu'il lui faisait présent de l'aire et de la charrue et des bœufs pour un holocauste et qu'il priait Dieu d'agréer le sacrifice. Le roi lui répondit qu'il lui savait gré de sa franchise et de sa générosité et qu'il acceptait son offre, mais il désirait lui payer le prix de tout cela car il n'était pas permis d'offrir un sacrifice qui ne coûte à rien. Oronas en étant remis à son estimation, David lui acheta l'aire pour 50 sicles. Puis, ayant bâti l'autel, il accomplit les rites, fit l'holocauste et offrit les sacrifices de paix. Il apaise ainsi la divinité et elle lui redevient propice. Or, c'était précisément à cet endroit-là qu'Abraham sacrifia à la place de son fils, comme nous l'avons dit antérieurement. Le roi David, voyant que Dieu avait exaucé sa prière et accueilli favorablement son sacrifice, décida d'appeler tout cet endroit l'autel du peuple entier et d'y construire un temple à Dieu. Cette parole devait s'accomplir dans l'avenir. Dieu, en effet, lui ayant dépêché le prophète, lui dit qu'un temple serait bâti par son fils, car par celui qui devait hériter après lui de la royauté. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 14. David prépare les matériaux du temple. Après cette prophétie, le roi ordonna de recenser les résidents étrangers et l'on en trouva environ 180 000. Il en désigna 80 000 pour être employés à tailler les pierres et le reste pour les transporter. 3 500 furent préposés à la surveillance des travailleurs. Il fit aussi préparer, en vue des travaux, une grande quantité de fer et de cuivre, et beaucoup de bois de cèdre de dimension énorme envoyés par des Tyriens et les Sidoniens. C'est à eux, en effet, qu'il avait commandé la fourniture des bois. Et il dit à ses amis que s'il faisait ses préparatifs dès maintenant, c'était afin de laisser tout prêt au fils qui devait lui succéder les matériaux puis pour la construction du temple et de lui éviter le souci de se les procurer à un âge où il n'en aurait pas l'expérience. En revanche, ayant les matériaux sous la main, il pourrait exécuter l'œuvre. Discours de David à Salomon et au premier du peuple. Puis il mande son fils Salomon et lui ordonne d'élever un temple à Dieu dès qu'il aura hérité de la royauté. Il aurait souhaité, dit-il, le faire lui-même, mais Dieu l'en avait empêché parce qu'il était souillé de sang et de guerre. Cependant, Dieu lui avait prédit que le temple serait édifié par Salomon, un fils de grand sens et qui en porterait le nom, et dont il promettait d'avoir souci lui-même comme un père. Il promettait également de combler sous son règne le pays des Hébreux de toutes sortes de bienfaits, et surtout du plus grand de tous, la paix, l'absence de guerre étrangère et de discorde civile. Ainsi, puisque même avant ta naissance tu as été désigné par le Seigneur pour le trône, tâche en toute occasion de te rendre digne de sa sollicitude, en te montrant pieux, juste et courageux. Observe les commandements et les lois qu'il nous a donnés par la voix de Moïse, et ne permet pas aux autres de les transgresser. Quant au temple qu'il a prescrit qu'on bâtit sous ton règne, mets tout ton effort à en faire hommage à Dieu, sans t'effrayer de la grandeur de l'œuvre, sans te laisser intimider par les difficultés, car je ferai en sorte que tout soit préparé pour toi avant ma mort. Sache donc que j'ai déjà réuni 10 000 talents d'or et 100 000 talents d'argent. J'ai rassemblé une quantité de fer et de cuivre, un matériel énorme de bois et de pierre. Tu as en outre de nombreuses myriades de tailleurs de pierre et de charpentiers. Et s'il te manque encore quelque chose, tu y pourvoiras toi-même. Quant à cette œuvre,
quand cette œuvre sera accomplie, tu seras cher à Dieu et tu l'auras pour protecteur. Il exhorta ainsi les premiers du peuple à donner leur concours à son fils pour cette construction. Ils récolteraient pour prix de leur peine la paix et une heureuse administration, par quoi Dieu récompense les hommes pieux et justes. Une fois le temple construit, il prescrivit à son fils d'y déposer l'arche et les vases sacrés, lesquels, dit-il, auraient dû depuis longtemps posséder un temple si nos pères n'avaient point désobéi aux ordres de Dieu, qui leur avait prescrit de lui édifier un temple après qu'ils auraient occupé le pays. Ainsi parla David au chef du peuple et à son fils. David et Abizag. David était déjà vieux et son corps refroidi par l'âge était devenu si frileux que même en amoncelant les couvertures, il ne parvenait pas à se réchauffer. Les médecins se réunirent et furent d'avis qu'on choisit dans toute la contrée une belle jeune fille pour dormir avec le roi, qui seul pourrait le réchauffer, le protéger contre le froid. On trouva donc dans une ville une femme plus belle que toutes les autres, nommée Abizag, qui réchauffa le roi rien qu'en restant couché auprès de lui, car en raison de son grand âge, sa faiblesse lui interdisait le plaisir et le commerce conjugal. Nous reparlerons un peu plus loin de cette vierge. Adonias se fait nommer roi. Bersabée, sur le conseil de Nathan, va trouver David. Le quatrième fils de David, un grand et beau jeune homme qu'il avait eu avec de sa femme Égitée et qui portait le nom d'Adonias, nourrissait les mêmes pensées qu'Absalom. Il aspirait lui aussi à régner et disait à ses amis qu'il lui fallait prendre le pouvoir. Il équipa quantité de chars, de chevaux et 50 hommes pour courir par devant. Témoin de ses actes, son père ne le châtiait pas, ne l'arrêtait pas dans son dessein et ne s'hasardait même pas à lui demander pourquoi il en usait ainsi. Adonias avait pour complice le général Joab et le grand prêtre Abiathar. Seul lui faisait opposition le grand prêtre Sadoc, le prophète Nathan, Banéas, le chef des gardes du corps, Séméis, l'ami de David, et tous les preux du roi. Adonias fit apprêter un festin hors de la ville, près de la fontaine située dans le jardin royal, et y invita tous les frères, à l'exception de Salomon. Il y amena le général Joab, Abiathar et les premiers de la tribu de Juda. Tous ceux-là y assistèrent, mais le grand prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Banéas, le chef des gardes du corps, et tous ceux du parti adverse n'avaient pas été invités. Le prophète Nathan informa de la chose la mère de Salomon, Bersabée, disant qu'Adonias était roi et que David l'ignorait. Il lui conseilla de se sauver, elle et son fils Salomon, de se rendre seul auprès de David et de lui dire que, bien qu'il eût juré que Salomon régnerait auprès de lui dans l'intervalle, Adonias venait de s'emparer du pouvoir. Quand elle avait ainsi parlé, le prophète promettait d'accourir lui-même et de confirmer ses paroles. Bersabée, obéissant à Nathan, vient trouver le roi, se prosterne devant lui, et lui ayant demandé la permission de parler, lui raconte tout ce que le prophète lui avait suggéré. Le festin d'Adonias et ceux qu'il avait invités, le grand prêtre Abiathar et le chef Joab, et les fils du roi à l'exclusion de Salomon et de ses amis intimes. Elle lui dit aussi que tout le peuple attendait de savoir celui qu'il désignerait comme roi et le pria de songer que si Adonias régnait après lui, il la ferait périr ainsi que son fils Salomon. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 7, chapitre 14. Intervention de Nathan, David fait proclamer Salomon. La femme conversait encore avec le roi quand les gardiens de la chambre annoncèrent que Nathan désirait le voir. Le roi le fait introduire.
Nathan entre et demande si c'est bien aujourd'hui que le roi doit désigner Adonias comme roi et lui remettre le pouvoir. Adonias, dit-il, a en effet préparé un magnifique festin où il a invité tous les fils du roi, sauf Salomon, ainsi que le général Joab. À cette heure, ils font bonne chère en claquant des mains et se réjouissant, et lui souhaitent le pouvoir à perpétuité. Cependant, il n'a convié ni moi-même, le grand prêtre Sadoc, ni Banéas, chef des gardes du corps. Il est bon que tout le monde sache si tout cela se passe avec ton assentiment. Nathan ayant ainsi parlé, le roi fit appeler Bathsabée. Elle s'était échappée en effet de la chambre quand le prophète était arrivé. Quand la femme fut venue, « Je te jure, dit-il, par le grand Dieu très grand, que c'est bien ton fils Salomon qui règnera comme je l'ai juré antérieurement et qu'il s'assoira sur mon trône et ceci se fera aujourd'hui même. » Alors la femme se prosterna et lui souhaita longue vie. Le roi mande le grand prêtre Sadoc et Banéas, le chef des gardes du corps, et leur enjoint de prendre avec eux le prophète Nathan et tous les hommes d'armes présents à la cour, puis de faire monter son fils Salomon sur la mule royale, de le conduire hors de la ville près de la source appelée Géon, et là de loindre avec lui le saint et de le déclarer roi. Tels furent ses ordres au grand prêtre Sadoc et au prophète Nathan. Il leur prescrit d'accompagner ensuite le prince à travers la ville en faisant sonner de la corne et de proclamer que le roi Salomon est assis pour toujours sur le trône royal afin que tout le peuple sache qu'il a été désigné comme roi par son père, afin qu'il gouverne avec piété et justice tout le peuple des Hébreux et la tribu de Juda. Après que Banéas eut prié Dieu d'être propice à Salomon sans perdre un instant, il fit monter Salomon sur la mule, l'amène en dehors de la ville près de la source, et l'ayant oint d'huile, le ramène dans la ville avec des acclamations et en lui souhaitant une royauté de longue durée. Puis l'ayant conduit au palais royal, ils le font asseoir sur le trône, et tout le peuple se livra aussitôt à des banquets et des fêtes, dansant et se réjouissant au son des flûtes, et la multitude des instruments faisait résonner alentour tout le sol et l'atmosphère. Fuite d'Adonias, Salomon lui fait grâce. Quand Adonias et ses convives au festin perçurent cette clameur, ils furent bouleversés, et le général Joab s'écria que ces sons et cette trompette ne lui disaient rien qui vaille. Le repas est suspendu. Personne ne touche à rien. Tout le monde est plongé dans ses réflexions. Quant à court, à eux, Jonathès, fils du grand prêtre Abiathar. Adonias avait dévisagé le jeune homme avec complaisance et l'ayant appelé messager du bonheur, il leur fit connaître tout ce qui venait de se passer avec Salomon et la décision du roi David. Alors Adonias et tous ses invités quittent précipitamment le festin et s'enfuient chacun chez soi. Adonias, craignant que le roi ne lui demandât compte de sa conduite, prit posture de suppliant de Dieu et se saisit des cornes qui s'avançaient au devant de l'autel. On rapporte à Salomon l'acte d'Adonias et que ce dernier le prie de lui donner des sûretés qu'il ne lui tiendra pas rigueur et ne lui fera aucun mal. Salomon, avec beaucoup d'indulgence et de sagesse, répond qu'il lui passe sa faute pour cette fois, mais que s'il est jamais repris à fomenter des troubles, il ne devra son châtiment qu'à lui-même, puis il envoie des hommes le tirer de son asile. Adonias se rend alors auprès de lui et se prosterne devant son frère. Il reçoit l'ordre de rentrer chez lui sans appréhension, mais de bien se conduire à l'avenir, car il y allait de son salut. Organisation des prêtres et des lévites. Cependant, David, désireux de faire reconnaître la royauté de son fils par tout le peuple, convoque les chefs à Jérusalem, ainsi que les prêtres et les lévites, et les ayant dénombrés, en trouve d'abord 38 000, âgés de 30 à 50 ans. Il en désigne 24 000 pour surveiller la construction du temple, 6 000 comme juges du peuple et comme scribes, 4 000 comme gardiens de la maison de Dieu, et autant comme chantres de Dieu, destiné à chanter au son des instruments.
que David avait fait fabriquer, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Il les répartit par classe, puis ayant séparé les prêtres de la tribu, il en trouva 24 classes, dont 16 de la maison d'Éléazar et 8 de celle d'Ithamar. Il établit alors une même classe, aurait à servir Dieu durant 8 jours, d'un sabbat à l'autre. C'est ainsi que toutes les classes reçurent à leur tour de service en présence de David, des grands prêtres Sadoc et Abiathar et de tous les chefs. La première classe qui fut tirée au sort fut inscrite pour le premier tour et ainsi de suite depuis la seconde jusqu'à la 24e. Cette répartition a persisté jusqu'aujourd'hui. Il consista de même dans la tribu de Lévi, 24 sections qui, réparties par le sort, se virent attribuer de la même façon que les classes sacerdotales leur service de 8 jours. Il honora d'autre part les descendants de Boaz. Il fit d'eux les gardiens du trésor de Dieu et des offrandes que pourraient apporter les rois. Et il prescrivit à tous ceux de la tribu de Lévi et aux prêtres pour servir Dieu jour et nuit, ainsi que le leur avait recommandé Moïse. Organisation de l'armée. Après cela, il répartit toute l'armée en 12 corps, avec des commandants en chef, des centurions et des taxiarques. Chaque corps comptait 24 000 hommes, et il leur ordonna de se tenir auprès du roi Salomon à tour de rôle, pendant 30 jours du premier jusqu'au dernier du mois, avec leurs chiliarques et leurs centurions. Il établit au commandement de chaque corps des hommes qu'il savait être probes et justes. Il en mit d'autres comme intendants des trésors et des bourgs, des champs et des bestiaux. Je n'ai pas jugé nécessaire de mentionner leurs noms. Discours de David au peuple. Après avoir ainsi réglé ses services, le roi convoqua en assemblée les principaux des Hébreux, les chefs des tribus, les gouverneurs de districts, et tous les officiers chargés des affaires et des revenus du roi. Debout sur une très haute estrade, il prit la parole devant cette multitude. « Frères et compatriotes, dit-il, je veux que vous sachiez qu'ayant formé le projet d'élever un temple à Dieu, j'ai amassé à cette fin une grande quantité d'or et 100 000 talents d'argent. Dieu, par la voix du prophète Nathan, m'a fait défense d'exécuter ce dessein à cause des guerres que j'ai soutenues dans votre intérêt et parce que ma droite s'est souillée du sang de tant d'ennemis. Mais il a ordonné au fils qui me succéderait au trône de lui édifier ce temple. Maintenant donc, puisque des 12 fils de notre ancêtre Jacob, vous savez que c'est Judas qui a été désigné comme roi et que de même j'ai été préféré à 6 frères que j'ai reçus de Dieu le souverain pouvoir, sans que nul ne l'ait regretté, de même que je souhaite moi aussi que mes fils ne se querellent pas entre eux parce que la couronne est échue à Salomon, mais convaincu que Dieu l'a élu, qu'il l'adopte volontiers pour maître. Car s'il n'y a rien de pénible lorsque c'est Dieu qui le veut à servir même un maître étranger, il convient de se réjouir quand c'est un frère qui commande, parce que chacun prend sa part de son honneur. Ainsi, je souhaite que les promesses de Dieu s'accomplissent et que se répandent par tout le pays et y persiste pour toujours cette prospérité qu'il a promis lui-même de procurer au règne de Salomon. Ces promesses, mon fils, seront assurées et se réaliseront heureusement si tu te montres pieux et juste et fidèle gardien des lois nationales. Mais si au contraire tu enfreins, attends-toi aux pires calamités. Exhortation et promesse de David, empressement des prêtres et des lévites. Le roi, après avoir ainsi parlé, s'arrêta, puis il donna à Salomon, aux yeux de tous, les dessins et les plans de la construction du temple, des fondements des salles et des étages supérieurs. Il détermina quel en serait le nombre, quelle en serait la hauteur et la largeur, ainsi que le poids et tous les vases d'or et d'argent. En outre, il exhorta son fils à déployer toute son ardeur en vue de cette œuvre et invita les chefs de tribus de Lévi à lui prêter leur concours, vu son jeune âge et le choix que Dieu avait fait de lui pour résister, présider
à l'édification du temple et occuper le trône. Il leur montra d'ailleurs que cette édification serait aisée et point trop laborieuse, puisqu'il avait déjà préparé lui-même beaucoup de talents d'or et encore plus d'argent, ainsi que des bois, et réuni une multitude de charpentiers et de tailleurs de pierre, quantité d'émeraudes et toute espèce de pierres précieuses. Et maintenant, comme prémisse de son propre apport, il offrait de fournir encore 3 000 talents d'or pur pour le Saint des Saints et pour le char de Dieu, les chérubins qui seraient posés sur l'arche et la couvriraient. Quand David se tut, un grand enthousiasme se produisit chez les chefs et les prêtres et parmi les hommes de la tribu de Lévi qui apportèrent tous leur quote-part et firent de brillantes et magnifiques promesses. En effet, ils s'engagèrent à apporter 5 000 talents de 10 000 statères et 10 000 statères d'or, 10 000 talents d'argent et plusieurs myriades de talents de fer. Et quiconque possédait des pierres précieuses les apporta et les mit dans les trésors auxquels était préposée la los, descendant de Moïse. Action de grâce de David et du peuple, sacrifice et fête, installation de Salomon. Le peuple entier se réjouit de ses largesses, et David, témoin du zèle et de l'empressement des chefs, des prêtres et de tous les autres, commença à remercier Dieu à haute voix, appelant le Père et l'auteur de l'univers, l'ordonnateur des choses humaines et divines, dont il composait la parure, le patron et le tuteur de la race des Hébreux et de leur prospérité, ainsi que de la royauté qu'il lui avait donnée à lui-même. Puis après avoir adressé des vœux au bonheur à tout le peuple et souhaité à son fils Salomon une intelligence saine et juste, fortifiée par tous les éléments de la vertu, il invite aussi la foule à louer Dieu. Et tous s'étant précipités à terre, se prosternent et rendirent grâce aussi à David pour tous les bienfaits dont ils avaient joui depuis qu'il avait reçu la royauté. Le lendemain, ils offrirent des sacrifices à Dieu, 1 000 veaux, autant de béliers et 1 000 agneaux, qu'ils brillèrent en holocauste. Ils offrirent aussi des sacrifices pacifiques et immolèrent de nombreuses myriades de victimes. Durant tout le jour, le roi fut en fête avec tout le peuple, et pour la seconde fois, ils oignirent d'huile Salomon et le désignèrent pour roi, et Sadoc pour grand prêtre de toute la nation. Puis ils amenèrent Salomon au palais royal, et l'ayant fait asseoir sur le trône de son père, lui obéirent à dater de ce jour. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 7, chapitre 15. Recommandation de David à Salomon. Peu de temps après, David tomba malade de vieillesse et, sentant sa fin approcher, appela son fils Salomon et lui parla en ces termes. « Mon enfant, je vais à ma destinée et m'apprête à rejoindre mes pères, prenant ainsi le chemin commun à tous les êtres présents et futurs, chemin d'où l'on ne peut revenir pour savoir ce qui se passe parmi les vivants. C'est pourquoi, avec ce qui me reste de vie et parvenu près de ma fin, je te rappelle une fois de plus ce que, déjà auparavant, j'avais pris soin de te recommander, à savoir d'être juste envers tes sujets et pieux envers Dieu qui t'a donné la royauté et d'observer ses ordres et ses lois qu'il nous a envoyées par Moïse. Garde-toi de les négliger en cédant soit à la faveur, soit à la flatterie ou au désir ou à quelque autre passion, car tu perdras la bienveillance que la divinité te témoigne. Et si tu transgresses ses commandements et en toute chose, tu t'aliéneras sa bienveillante sollicitude. En revanche, si tu te montres tel que tu le dois et tel que je t'y exhorte, tu maintiendras la royauté dans notre famille. Aucune autre maison ne régnera sur les Hébreux, mais nous seuls à travers les âges. Souviens-toi aussi de l'iniquité de mon capitaine Joab, qui a tué par jalousie 2 chefs, juste et honnête, Abner, fils de Ner, et Amasas, fils de Yétranos. Tu vengeras leur mort comme il te plaira, car Joab, plus fort et plus puissant que moi-même,
a jusque maintenant échappé au châtiment. Je te recommande d'autre part les fils de Berzélios, le Galadithide, que tu tiendras en honneur et en sollicitude pour l'amour de moi. Nous ne leur faisons pas en effet une faveur en les traitant bien, nous payons seulement la dette de reconnaissance contractée envers leur père pour le dévouement qu'il m'a témoigné dans ma fuite. Quant à Semei, fils de Géras de la tribu de Benjamin, qui après m'avoir accablé de malédictions à cette occasion, lorsque je m'en allais vers les retranchements, est venu vers moi sur le Jourdain et a reçu alors les assurances d'impunité. Tu chercheras maintenant un motif plausible pour le châtier. Éloge de David. Après avoir fait ses recommandations à son fils concernant le gouvernement, ses amis et ceux qu'il savait mériter un châtiment, David mourut âgé de 70 ans, ayant régné 7 ans et 6 mois à Hébron sur la tribu de Juda et 33 ans à Jérusalem sur tout le pays. Ce fut un homme excellent et doué de toutes les vertus que devait posséder un roi de qui dépendait le salut de tant de peuples. Il fut brave en effet comme nul autre dans les combats livrés pour ses sujets. Il s'est lancé le premier au danger, encourageant ses soldats dans les mêlées en partageant leurs peines et leurs efforts, plutôt qu'en leur commandant comme un maître. Très habile à saisir une situation, à pourvoir à l'avenir et aux difficultés du moment, prudent, doux, bon pour les affligés, juste, humain, qui sont toutes vertus dignes des plus grands princes, enfin, malgré un si haut degré de puissance, n'ayant jamais abusé de son autorité, si ce n'est au sujet de la femme d'Uri. Il laissa des richesses comme nul autre roi des Hébreux ou des autres nations. Sépulture de David, richesse qu'elle contenait. Son fils Salomon l'ensevelit avec dignité à Jérusalem, observant tout le cérémonial en usage pour les funérailles royales. Et il ensevelit encore avec lui des trésors considérables, dont le fait suivant peut donner une idée. En effet, après une durée de 1300 ans, le grand prêtre Hyrcan, assiégé par Antiochus, surnommé Eusèbe, fils de Démétrius, voulut à prix d'argent faire lever le siège et emmener l'armée. Or, n'en trouvant pas ailleurs, il ouvrit une des chambres du sépulcre de David, en tira 3000 talents dont il donna une partie à Antiochus et fit ainsi lever le siège comme nous l'avons raconté ailleurs. Bien des années après cet événement, à son tour le roi Hérode ayant ouvert une autre chambre, en enleva beaucoup de richesses. Toutefois, aucun de ses princes ne parvint jusqu'au sarcophage des rois. Ceux-ci étaient en effet enfouis sous terre avec tant d'art qu'ils demeuraient invisibles aux violateurs de sépulcres. Mais là-dessus, qu'il me suffise d'avoir donné ces indications.